Ouais, je suis un idiot, c'est magnifique. Je parle micro fermé depuis tout à l'heure. Je suis un. Je peux recommencer toute mon élocution et mon intro. Bien fait pour ma tronche. Donc, je disais bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. Heureusement que j'ai une diode électroluminescente colorée sur mon micro pour me dire qu'il est fermé. Sinon, sans déconner, je pourrais faire un direct de 6 heures sans micro fermé. Bref. Vous me connaissez, je suis navré. Donc, je suis super enthousiaste, excité comme un petit fou. Vous me connaissez, heureux comme un gosse. On retrouve Lara Croft en Égypte. Bonjour, Olive. Donc, je Salut, disais. salut, 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 Ouais, salut, bonjour, salut. Olive. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je disais que cette horreur d'arrière-plan de menu en monochrome à rayures, là, de zèbre, et encore, les zèbres sont plus beaux. Vous en conviendrez avec moi. Il faut un paramétrage précis pour en arriver à ça. Et c'est un moindre mal. Pourquoi? Parce que dans les systèmes d'exploitation récents Windows, comme Tomb Raider 4 est un vieux jeu, en fait, ça ne peut que fonctionner en lançant le jeu en 32 bits, avec d'autres détails techniques que je vous passerai. J'ai fait plusieurs tests. Quand j'avais coupé mon signal le week-end dernier pour voir ce qu'il en était, si je pouvais pas retrouver une belle image de fond pour le menu. Que nenni! C'est pire, quand je change ma configuration, que je. Re fun fan! Que je passe en 16 bits le jeu, c'est horrible. Dans le sens que je lance le jeu, ça se passe bien. Je fais mon niveau avec Lara Croft. Dès que j'interpelle le menu avec la touche échappe, crash du jeu. Donc, j'ai eu du bol. Alors, la combinaison gagnante, en fait, dès que je vous ai balancé sur le direct Lara Croft, là, j'avais trouvé la combinaison gagnante d'entrée de jeu par coup de bol. Par rapport à ce qui me convient, moi, et que je puisse vous diffuser quelque chose de potable du jeu. Mais il n'y a pas de parade. Excepté, mais je ne l'encourage pas, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour depuis ta convention, Twinsen. Oui, c'est bien, je vois que tu t'éclates. Merci hein, pour tout ce que tu m'envoies en off, en privé sur Discord. Fais ton paparazzi, t'as bien raison, profite de l'événement. Tu nous raconteras après. Je rembobine ce que j'étais en train de vous dire en dehors de vous tous vous saluer avec grand plaisir. Bref, ça crache si on lance en 16 bits, machin, truc muche. Oui, il existerait, je parle au conditionnel, parce que je suis pas allé jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi. Une solution, un correctif que quelqu'un aurait mis au point, mais qui se fait une joie de se faire son beurre et qui vous fait payer l'accès au téléchargement de son correctif pour Tomb Raider 4 et ravoir un joli fond. Évidemment, moi qui fais comment dire, la promotion de l'univers du libre, je ne vais certainement pas cotiser pour si peu. Voilà, bref, vous m'aurez compris, on se contentera de ce qu'on a. Et voili voilou. Et c'est pas la fin du monde hein, entre nous. On s'applique un peu les yeux quand je joue le menu, mais bon. Maintenant vous êtes habitués. Voilà! En espérant que vous soyez régalés pour votre déjeuner. Moi, je me suis fait un petit plaisir facile à faire. J'avais un pavé de fromage de brebis. Je suis allé m'acheter tout à l'heure et ça tape déjà le soleil, hein, faites gaffe.
Je suis allé m'acheter deux petites baguettes à chauffer au four aux céréales. Ça, avec la brebis et un restant de fromage de carotte, j'ai pas boudé mon plaisir. Et ça pète en goût, c'est un régal. Enfin voilà quoi. L'essentiel étant, surtout par ces temps d'inflation, que vous puissiez encore manger à votre faim. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde. C'est terrible. Ce qui me fait mal aux tripes, c'est de lire dans la presse que certains se privent d'un repas pour réussir à boucler les fins de mois. On va pas parler politique, hein, sujet tabou, mais c'est désolant. Allez, on est là pour se marrer, on va se concentrer sur les aventures de Lara Croft que je découvre avec vous, à fond dans l'Égypte. À fond les ballons, oh le vilain scorpion. Allez Lara, tu peux sauter par-dessus. Oui, y a rien, c'est ridicule. Oh, elle a sauté dans le trou. Non, j'ai un concert ce soir. Bah oui, mon cher Tunsen, oui. Eh non, il a concert, Tunsen. Ah, tu es déjà rentré chez toi. Ah, d'accord. Oh. Oui, en fait, t'enchaînes deux événements. Eh bien. Non, par contre, alors, je vous en reparlerai en détail demain après-midi. Sur mon antenne. Demain après-midi, il n'y aura pas Minecraft. Il y aura. Je vais sûrement faire des déçus. Il n'y aura pas de vocale ouverte. Je vous explique pourquoi. Demain après-midi, Gran Turismo 3, c'est les 24 heures du Mans. Le départ va avoir lieu dans 90 minutes là, au Mans. Vous savez que je suis fanat de sport automobile. Je fais n'importe quoi. Je vous parle, je dirige de Lara en faisant n'importe quoi sans réfléchir. Ça ne veut rien dire. C'est magnifique. Et l'Égypte n'a jamais été aussi belle avec Lara Croft, j'adore. Je vous mettrai en plus de la musique libre, de la nouvelle. J'ai découvert un groupe, je vous en reparlerai demain aussi, qui s'appelle Technocat, je crois. Une tuerie. Je me pose la question, j'espère que je ne vais pas me faire dégommer par YouTube. J'espère vraiment que la musique est libre de droit et que je ne vais pas me faire rouspéter. Parce que la musique, elle est extra, elle est de grande qualité. Demain, c'est sport automobile dans l'après-midi avec de la musique trance. C'est carrément de la trance, un hein, Technocat. Mais c'est du son magnifique, quoi. Enfin, pour ceux qui aiment la musique électronique. Ah merde, c'est le début du niveau, mais quel abruti je fais. Voilà où. Vous savez tout. Ah oh oui, Lara Croft, où vas-tu? C'est quoi ce temple? Oh, et j'ai même pas regardé les murs. Et oh. Allez, un peu de sérieux, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a sur les murs. Ah, mais c'est une procession. Alors, on reconnaît la coiffe de la Haute-Égypte. À droite. À gauche, merde, je sais plus ce que je dis. Et à gauche, apparemment, il y a quelqu'un qui suit le pharaon, en fait. Enfin, le roi d'Égypte. Alors, hérétique, bah ouais, mais alors, hérétique, j'ai pas d'heure, fan. J'ai pas d'heure parce que hérétique, je le garde un peu en joker. Si je tourne vraiment rond dans Tomb Raider, je mettrai hérétique. Je te cache pas, comme je rends l'antenne à 18h pour Bastos, je vais peut-être me faire 4 heures de Tomb Raider si j'ai un bon rythme. Alors, je sais que ça te sort par les trous de nez, mon pauvre fan. Mais moi je m'éclate à fond dedans. Alors, il n'y a pas d'heure pour Hérétique, on verra. Oh? Ah, c'est le mec dans sa voiture de luxe. Alors, dans la narration, je sais plus, est-ce que c'est l'ancien mentor? Non, ça peut pas être l'ancien mentor de Lara Croft. Ou alors je pige pas la narration, mais. Sûr, c'est le grand vilain. Heureux, mon cher Phobos. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! J'ai pas sauvegardé, mais quel con! Ah! J'ai pas sauvegardé depuis le début! Ah merde! Je vais tout recommencer. Oh, quel idiot je fais! J'ai prêché par excès de confiance, comme on dit. Bon, bah, c'est bien. Quoi, allez, premier quart d'heure de jeu, tout est à refaire. Oh là 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 là, n'importe quoi. Alors, attends, il y a les scorpions.
Il y en a plusieurs des scorpions, non? Non? Je crois qu'il y avait plusieurs scorpions. Rebonjour. Ah, Pédu, t'as pas de poisson, ma chère Olive. Ah, c'est le fait de prendre l'objet qui déclenche le scorpion. Oh là là. Ce piège fait long. Bon, sinon, dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien. Oui, alors il y aura le tableau mystère à 17h45 tout à l'heure. Un quart d'heure avant de rendre l'antenne à l'ami Bastos. Ça, c'est le début du niveau. Décidément, je vais finir par me le... On va dire me le copier 400 fois dans le crâne. Et c'est par là que j'avais... Qu'il y avait un truc. Je verrai pas ce soir le nouveau tableau mystère. Oui, bah tu le verras demain. Je le mettrai sur le Discord en fin de journée et puis... De toute façon, je rediffuse demain, donc t'inquiète pas. Ça laissera un peu de temps aux autres d'essayer de gratter quelques bonnes réponses. Comment ça, une bagnole Jap? Alors, en plus, c'est ma favorite, la Toyota Celica. Alors, je fais mon pointilleux, hein, mais c'est vrai que j'y suis sensible. De prendre qu'à la première syllabe en diminutif Jap pour japonais, c'est très péjoratif, ça fait référence à l'histoire où les Japonais, les Nippons ont été dénigrés. Évitez de faire usage que d'une seule syllabe pour désigner le peuple japonais, je vous en supplie, merci. C'est dur. C'est comme si je disais les Allemands, les Boches. Ça rappelle de mauvais souvenirs là. C'est dur. Oui, voilà, merci, Rose. Je sais que je suis chiant, hein, mais franchement, ça compte pour moi. Voilà, je sauvegarde. Et là, je vais peut-être me poser un. Ah, bah attends, elle peut peut-être passer. Non, bah non, c'est trop lisse au plafond. Elle peut pas. Non, elle veut faire un saut. Elle peut pas s'accrocher à ce qu'il y a au-dessus. Non, elle peut pas. Mais c'est trop loin, elle va mourir. Ah non. À chaque épisode, je me laisse surprendre par les capacités athlétiques de Lara. J'ai l'impression qu'on peut descendre en bas. Hein. Mais il n'y a rien pour... Non, j'ai pas de... Non, j'ai rien pour... J'ai l'impression que le bas est exploitable. Ou par un autre... Un autre passage. Attends, j'ai l'impression que je peux monter. Encore que... De manière limitée, mais... Attendez, on va farfouiller les ruines quand même. C'est pas comme si c'était la spécialité à Mademoiselle Croft. Oh, c'est beau. Ça y est, je me remets à gagater au niveau des décors. Qu'est-ce que c'est ces hiéroglyphes? C'est pas compréhensible. C'est là d'où je viens. Oh. Pas bien. Alors, il y a là, il y a l'accès facile. Et il y a un autre accès qui est plutôt balèze. Je vais commencer par le balèze. C'est-à-dire le. Voilà, l'interstice qui était là. Alors, il n'y a pas un piège là. C'est pas tout de sauter comme un dératé, mais. Il faudrait peut-être pas sauter à pieds joints dans un truc mortel. Ouais, elle est obligée de s'accroupir. Normalement, c'est le jardin d'interstice, il y a récompense. Allez, vas-y ma grande, va pas te rafler les genoux. Pouk! Alors, je vous avouerai également que, ayant regardé très rapidement des extraits de mon final de Tomb Raider 3 en Antarctique, je vous avais dit qu'avec l'éditeur de niveau, jadis, je m'étais amusé à me faire un niveau en Antarctique. Enfin, dans les glaces. J'adore. Ah, une chambre secrète. La chambre du roi tout en carton. Ah, on va y mettre le feu. Mais j'ai pas la clé. J'ai aucun artefact. Alors, à mémoriser. Ici, il y a une chambre secrète qui est verrouillée. Malin, ces Égyptiens. Excuse-moi, la culture japonaise, c'est pas mon fort. Oui, non, mais je te reprocherai pas ça. Mais bien évidemment. Mais c'est comme si on disait les francs, mais là, c'est pas péjoratif. Oui, mais bon, voilà quoi, merci.
C'est douloureux, vraiment. Enfin bref. Et Renault, c'est des voitures. Oh! En parlant de tuture hors 24 heures du Mans, quand je suis allé faire ma petite course tout à l'heure entre midi et 2, je serais pas foutu de vous dire le modèle. Je me suis pas arrêté non plus parce qu'il faisait tellement chaud que je voulais rentrer chez moi me rafraîchir déjà. J'ai croisé garé un beau cabriolet, bien plat. On aurait dit une voiture des années 70 européenne. Estampillé Rallye de Lorraine. Magnifique. Une orange avec une petite bande bleue façon course. Trop stylé le cabriolet années 70. Trop classe. Hein? Il m'a fait un chargement d'un autre niveau. Vous êtes sérieux les gens? Attendez, juste sauvegarder, ça m'a intrigué. Oui, bonne app, Olive. Oh ma pauvre, t'es complètement décalée. Bonne app, bonne app. Tu l'as fait trop tôt, Olive. Faut attendre 5 minutes entre tirage de bagnole. Désolé. Oui, là, oui. Bah, tu vois, la pêche te réussit, Olive. Une Bouvière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une chauve-souris. Ah! Elles sont agressives, celles-là. Un croco! Oh mon Dieu! Vilain croco! Ah, un beau morceau le croco, dis donc! Il est mort? Non, il n'est pas mort. Ah! Ça y est. Et ça, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est ça qui est beau. C'est cadeau. Oh, elle va se rafraîchir, elle est là, une petite tête. Va te rafraîchir. Ouais, plouf. Oh mon Dieu. Ah, oh, ces eaux turquoises. Oh, ce croco qui va croquer le cul à Lara. Ça craint du boudin. Oh, c'est la fosse au croco. Tu m'étonnes avec un environnement aussi paisible. Oula, oulala, oulala, oula, 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 là, là. Je vais peut-être me barrer par là, moi. On va explorer le bassin après l'extermination des crocos. Il y a comme un problème. Putain, la vache, comment qu'il se rue sur là. Yeah. Oh oui, il y en avait un autre qui était dans la flotte. Quoi, il est déjà mort? Ah oui. Ah non. Oh merde. C'est de la téléportation, c'est de la triche, monsieur Croco. Non! Non! Ah! Au secours. Pas croquer le cul. Pas croquer le cul. Non. Non, 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 non. Non, je vais gagner un tour de bassin parce qu'il n'y a pas de quoi accoster là. Ça craint du boudin. Oh, je me mets déjà en danger. C'est la misère. Est-ce que je peux grimper là, moi? Oh, ça vaut pas le coup, les crocos étaient là-bas. Faut quand même que je les zigouille. Je peux ou. Oh, bien. Ah, je me sens déjà mieux. Alors, celui-là, c'est fait. Attendez. Il y en a un qui manque à l'appel, non? Heureux, cousin. Je suis pas sûr d'avoir. Oh. Je suis pas certain d'avoir cuit tous les crocos. Alors, il y a énormément de choses à. Il y a énormément de choses à explorer là. Punaise. J'aurais pu me viander avec Lara. Heureusement que j'ai pas demandé à ce qu'elle fasse une tête. Elle se serait pété le crâne. Y a rien là? Ah non, y a rien. Bon. Ah, c'est trop beau les eaux turquoises. Voilà.
Ah, c'était une cache de d'un des crocos là. C'était peinard. Voilà, bah alors. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Bah alors. Oh. Ah! Bien, cousin, ton ordi légendaire, l'Infinity, est de retour. Triple amorçage XP Vista Mandriva. Oh là là! Le i7 920. Ouais, c'est vrai que t'avais mieux que mon Devastator à moi actuel. Ouais. 32 Go, moi j'en ai que 16. Un double SSD, j'ai pas de SSD. Et 2 Tera. Eh ben bravo, c'est beau le confort. T'as bien raison, cousin. Ibi. Non! Oh mon Dieu! La faute! Hein? On est où là? Attendez. Oups, bobo. Quoi? Je vais peut-être me retourner. Pff. Les mystères d'Égypte là, sans déconner. Ah ouais. Attendez, je prends un peu d'air et j'ai récupéré une boîte, non, un gros boîtier et une HD 685 de 1 Go. Yeah. Oh non, mais il est doué, cousin, mon cher Froboz. Ça là-dessus. Et c'est vrai que j'avais testé un programme qui permet de faire du multi-amorçage sur support amovible. Comprenez que les USB. Et j'étais parvenu à me mettre jusqu'à 6 ou 7 OS sur une seule clé USB. Ça marchait vachement bien. C'est moi ou il y a un croco? Ouh! Ah ah! Ah mince, elle s'est fait croquer. Ah bah c'est le croco de tout à l'heure. Ah bah non, il y a la chauve-souris qui attend son tour là. Mais non, mais non, mais. Merci. Bon, ça va, j'ai limité la casse. Je vais sauvegarder là et puis. XP is the best. Ouais, t'avais XP Vista et 7, ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, donc t'as gardé XP Vista. Mais t'as viré le 7 pour le substituer à un Mandriva, ouais. Pam 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 pam. Pidi 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 pou. Ouais, cette OS sont clés USB. Il y a un programme qui permet de faire du multi-amorçage et il génère le menu adéquat quand l'ordi démarre quoi sur ta clé USB. Non, c'est vachement bien fait. Ça te sert de clé à outils quoi quand t'es dépanneur informatique. Le meilleur système de Microsoft à jamais pour moi sera XP. Ouais, c'est vrai que j'ai une nostalgie de l'XP aussi moi. Ouais, j'aimais bien. J'aimais bien. Pam 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 pam. Pipidi pipipidi pou. C'est beau quand même, c'était de la faïence. Je passe un peu vite le décor. Au-dessus, on voit de la faïence. J'ai la même chose pour Mac avec 4 OS différents. Yeah. Ah, toi, tu préférais Millennium, Froboz. Oh, il n'y en a pas beaucoup qui aimaient Millennium. Millennium, je vais mal parler, mais je crois qu'il fallait se le coltiner. Hein. Il y avait pas mal de bugs et de programmes incompatibles, Millennium. Oh! Qu'est-ce que c'est que... Oups. Oups, 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 oups.
Avant de m'émerveiller par le décor, il faut que je zigouille les menaces. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme centrale avec cet effet de brouillard gaz turquoise? Et cette chose? Cette chose est-elle une relique? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, pour être un mystère, c'en est un. Ok. Et il n'y a pas d'interaction avec, quoi. Bon. Merde. Donc j'arrête de poser mon bras là. Excusez-moi. Je suis en train de me faire bobo bêtement. On voit que ça, c'est une porte dissimulée. La couleur est pas la même. Ne me dis pas qu'il faille tirer. Non. Les Égyptiens ont pas fait ça quand même. Ah mais attendez, c'est un carrefour de quatre trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il n'y a pas de truc au-dessus. Alors que là, il y en a un. Attendez voir. J'ai pas un flingue à visée laser, normalement, si. Ou je l'ai plus. Ah, c'était peut-être pour... Merde. C'était pour le niveau spécial promotionnel du journal The Times. Ah si, j'ai l'amulette d'Horus. Mais ça n'allait pas là. Quelque chose me dit qu'il faut que je me mette en quête d'un viseur. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ah! Il y a du matos au fond de l'eau. Il y a du matos au fond de l'eau. Oh là là, le gain était trop beau. Oh. Ah oui, j'allais dire. Pas qu'il déconne. Oh, c'est magnifique, Tomb Raider 4. On voit qu'ils ont amélioré les niveaux. Le moindre recoin, il faut rien louper. Ça me plaît énormément. Attendez, j'ai pas fait le tour complet du bassin. Yep. Là, je suis certain d'avoir écumé les lieux. Donc, je pense pas avoir ce qu'il faut. Enfin, oui, ce qui m'est nécessaire de progresser ici. Donc, je reviendrai plus tard. Mais non, toutes les portes sont fermées. Non, la porte s'est fermée derrière moi. Je suis maudit. C'est une malédiction de Pharaon. Au secours, ouvrez-moi. Bah, comment je fais pour tirer dans le... Attendez, jugeote là. Là, alors là, c'est une épreuve. C'est une énigme. Oups. Ah. Lara Croft, aide-moi. Sniff. Avec cette chaleur, mon cerveau a tout fondu. Oh là là, regardez-moi ce décor. Oh, trop bien. Ça se bouge pas, ça? Non, c'est pas un bloc découpé en cube. On ne peut pas le déplacer. Eh, franchement, on gomme Lara Croft sans offense au premier plan. On pourrait croire que l'image vient de Serious Sam. Pi 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 di pi. Pi pi di pi di pi di pi. Pi pi di pi di pi. Je serais tenté d'essayer de tirer sur les trucs en jaune au-dessus des portes. Vraiment, elle fait rien avec ça. Ah, pardon, faut que je vous lise. Ah ben, il marchait bien sur PC portable de l'époque. Ben, c'est déjà ça. C'est bien que tu aies eu une expérience heureuse avec, en fait. Frobos dit à FunFan, fais-toi un plaisir avec une machine virtuelle pour mettre Windows XP en vie sur ton PC dans ce cas. Oui, c'est vrai, je t'ai jamais parlé de ça, FunFan, mais je pourrais te le faire à l'occasion. Ça peut se faire, ça. Oui, Rogue Voisine, t'as reconnu. Hein. Ouais, mon cher mot, j'ai de la béchamel. Non, mais c'est vrai que si vous sortez, soyez prudents parce que ça tape vraiment fort. Là, j'y suis allé, honnêtement, j'ai dû aller de 12h45 à 13h30.
Vache, j'étais content de rentrer vite chez moi. D'ailleurs, c'est simple, vous, ceux qui ont regardé mon direct de ce matin, vous avez vu que je me suis changé hein, entre-temps. Parce que j'étais trempé. Je suis passé d'un t-shirt vert à un t-shirt noir. Que je vous exhiberai fièrement d'ailleurs tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. C'est, ça fait partie de ma collection de t-shirts favoris. Mais on verra ça tout à l'heure, lors du tableau mystère. Merdoum! Je suis fait comme un rat. À moins qu'il faille tirer sur. Mais non, c'est du solide. Le matos égyptien, c'est de la pierre. Comment veux-tu que des balles de revolver puissent péter l'accès? Merde, c'est une énigme, mais je suis prisonnier. Attendez, là, il me faut de la jugeote. Il doit y avoir un bloc au mur qui se décale. C'est pas possible. Encore que. Réfléchissons. Vous allez voir que je vais rester bloqué au bassin pendant 1 heure. Comme un gros nigaud. Je tente toujours, mais en désespoir de cause, comme on dit. Non, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus fut-fut. C'est quelque chose de plus fut-fut. À moins que ça s'escalade, les hiéroglyphes, non? Non. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu aussi. Quelles sont les façades escaladables potentiellement? Mais ça d'ailleurs, je suis. Oh non, c'est un peu fin. Non, non, c'est. J'ai abusé. J'ai abusé si elle me dit qu'elle peut escalader. Y a rien au-dessus? Non. Bon, là, ça va être kiff-kiff bourrico. Ah, mais il y a un truc en bas. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait un truc au fond. De l'importance de l'observation. Et j'étais arrivé par là d'ailleurs, non? Moi qui disais qu'une porte s'est refermée derrière moi, mais non. Bon. C'est la fin de semaine, hein, comprenez? Je suis nul. Ah non, pas le scorpion! Non. Comme je suis pas fan de Lara Croft, je fais une partie de Empire 3 avec. Vous avez bien raison! Alors là, oui, vous avez bien raison. Profitez bien. J'aurais pas dit mieux. Ah, si vous pouvez cumuler les plaisirs, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mais attends, par où j'étais arrivé, moi? Je vous avais fait la remarque d'admirer les faïences, mais. Attendez, je suis. Moi, je suis fan, je vais faire les deux. Bah oui, c'est. Oh là là. Oh! J'ai du caca dans les yeux! Faut que j'apprenne à les ouvrir. Oh, oh merde! Ah! Il faut que je mette le mode anti-Windows. Mind, excusez-moi. J'ai malencontreusement appuyé sur la touche Windows du clavier. Oui, y a pas de souci. Y a pas de souci, FunFan. Bon, c'est comme d'hab, hein, tu sais, c'est tranquille. Je serais très surpris d'avoir un mauvais passage dans les prochaines heures sur mon antenne. Mais oui, par contre, j'ai eu l'info de l'ami Aerostar, que je remercie d'ailleurs parce qu'il m'a hébergé, relayé mon signal ce matin sur sa toile, enfin sur son canal. Il paraît qu'il a eu vent, qu'il y avait projet, alors que ce soit vrai ou faux, même par principe, il faut être prudent, qu'il y aurait une vague d'attaques sur les Discords ce week-end. Donc, ne cliquez jamais sur des liens inconnus, de sources non sûres. Un grand classique de l'informatique, c'est valable également pour tous vos courriels. Histoire que ça tombe pas au drama. Je suis revenu au début. Il me faut un artefact qu'il me manque. Oh la vache, elle peut monter jusque là, mais elle est forte là, c'est. Je pense pas qu'elle puisse monter là. Non, c'est abusé. Je voulais voir, mais ouais, non, c'est abusé. Alors, prenons le temps d'observer, puisqu'il n'y a plus de crocos. Il y a peut-être une manivelle qui a échappé à mon attention. Il va falloir que je boive un coup, je commence à avoir soif. C'est pas tout de faire l'idiot, mais. Ah, c'était le truc dans le sens contraire, ça. J'y m'y trompe.
Oh là là. Ah bah oui, c'était le point de non-retour. Mais oui, il y a un accès, sinon c'est la punition quand on se loupe, on tombe ici, on recommence. Oui, moi je t'en prie, propose. Ouais, c'est important de se relayer les messages de sécurité. Ah, c'est beau. Je boude pas mon plaisir, j'adore. Mais c'est de la pure découverte pour moi, c'est ça qui est dingue. Je ne l'ai jamais fait ce Tomb Raider 4. Oh, cette joie immense qu'est la mienne. Puis souvenez-vous du premier niveau là avec le mentor de Lara Croft au début en intro, le tuto déguisé vachement bien. On était à Angkor, la cité d'Angkor au Vietnam. C'était magnifique. Oh non, c'est j'applaudis des deux mains et des deux pieds, sérieux. Énorme. Oh là 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 là. C'était où? C'était dans l'eau mon truc. Oh, j'aurais dû faire un beau plongeon, tiens, c'est dommage. J'ai loupé l'occasion de faire une chorégraphie. Le pire, c'est que je suis allé m'engouffrer instinctivement au bon endroit. Mais je les retrouve plus. Il y a la grille truc mûche. Il y a le truc où j'ai plongé en piqué. Attends, non, j'ai cru qu'il y avait un objet, non. Excusez-moi. Na, kena, kena, que c'est pas ça, je l'ai dans le baba. Qu'il va falloir refaire surface, sinon elle ira boire la tasse. Oui, d'ailleurs, je vais me grouiller parce que ça clignote bleu là. Oh, l'Égypte, quand tu nous tiens. Alors, il y a le passage là. Donc, non, je crois que j'en viens. Attendez. Là, c'est un cul-de-sac. Là, c'est d'où je viens, normalement. Et c'est un début de niveau, ça. Il y avait une jonction de niveau de fou. Donc, ce serait pas là. Je claque. Bon bah j'ai envie de dire on y retourne parce que Mais non, ça va être encore le truc j'avais trouvé un autre endroit qui était. Je vais pas retourner aux quatre portes fermées là, j'ai pas l'artefact qu'il faut. Mais il y a Christella qui m'avait mis en garde en disant qu'elle en avait bavé de ce Tomb Raider, qu'à un moment elle était restée longuement plantée en Égypte, sans tourner en rond, sans trouver la soluce. Et je sens, me connaissant, que je vais être déjà moins fut-fut que Christella. Donc à mon avis, je vais prendre des photos pendant longtemps. Merdoum. Le pire, c'est que en faisant l'idiot et en vous faisant la causette, j'avais trouvé le bon chemin. Est-ce que c'était en face? La terre émergée en face, ça donne quoi? Oh mince, j'ai loupé mon plongeon. Dommage. Non, il n'y a pas de passage. Non, que non, que non.
Attends, la texture me fait flipper là. J'ai l'impression que c'est un truc qui peut se manipuler, mais non. Et ce serait là en fait. Eh oui, c'est là que je suis pas allé. Mais oui, c'est ça le truc de l'épreuve. Oh. Je mémorise. J'essaye de rester un poil concentré maintenant. Donc je vais sauvegarder là. Parce qu'à mon avis, l'échec est présent. Et je vais me vautrer comme un niveau dans quelques secondes. Tata-ya. Pour ceux qui ne reconnaissent pas l'air, je suis en train de chantonner du Suzanne Vega, Tom's Diners, une chanson très sympa que je vous recommande. Des années 90 d'ailleurs, je crois, si j'ai pas de bêtises. Oh, attendez, j'ai pas vu un truc en haut là? On entend des bruits de fou. Ah oui, non, c'est la lumière. Attends. Y a pas de monstre. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va falloir que je me suspende à la... Alors, je vais re-sauvegarder. Parce que là, à mon avis, ça va être sport. Est-ce que je peux sans dégringoler m'accrocher? Oui. Non. Elle est morte. Wapalapa. Voilà. Le lac sacré? Non. J'ai mal lu. Nous sommes sur un lac sacré, dis donc. Bien. Stylé. Oh. Ah bah oui, c'est les deux trous. Non, c'est de l'aération tout simplement. Je veux dire, c'est les deux trous, mais non, mais non. Attendez, je peux me balancer avec ça? Non, je crois pas. Attendez. Oh, ça descend bas là. Mais non. Mais elle va nous faire un numéro de... Voilà! Un numéro coquin! C'est une barre fixe, c'est pas une corde! Ah! Et là, ça mènerait pas au même endroit? Oh, j'ai sauvegardé, tant pis, je tente. Je tente. Ce serait un subterfuge pour me faire une farce, on va être poli. Voilà. Par ça, vous passez le bon après-midi. Imed. Aïe, 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 aïe. Alors attends, si elle peut pas se balancer sur la barre, comment... Alors ça, j'en ai pas souvenir dans le tuto. Comment elle peut... Alors là... Parce que si je tente de faire un saut, ça va être une catastrophe, non? Là, oui. Attendez, alors là, il y a un truc que je fiche pas. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Ou alors... Mais non, elle peut pas. Ou alors, il faut que je fasse comme ça. Comme ça, elle peut peut-être. Oui, mais elle va se viander. Ah oui, elle se viande. Ça va pas, mon truc. À moins que par réflexe, j'arrive à sauter et à diriger sur le côté. Oh! On va la tenter, mais c'est vicieux. Mais ça me paraît pas impossible. Mais mazette. Oui, déjà, il faut que je saute droit. Non, elle a pas pris l'impulsion. Et puis j'aurais peut-être mieux fait de prendre le côté opposé.
Vas-y, ma gande, on croit en toi. Ah oh oui! Ah, elle s'est fait mal. Elle s'est fait mal, mais c'est passé. Ouf, j'ai eu peur parce que je tournais le dos à la barre et elle s'est quand même accrochée. Bref. On va y arriver. Chibi-dibi. Bidi-bi-bidi-bidi-bidi-bidi-dou. Allez, saute devant. Non, elle peut pas. Ah, mais oui, mais quel abruti! Je suis un quintuple abruti, mais bien sûr! Qu'elle peut sauter en arrière, donc il faut que je tourne le dos à mon point de chute. Mais où? Oh là là, j'ai honte, j'ai honte! Et encore, il n'y a pas la mère qui monte, qui pourrait dire les ch'tis. Je sais pas si vous connaissez ce classique français qui est ch'ti, hein, c'était. Je pourrais plus dire le nom du chanteur, mais. Quand la mer monte, j'ai honte, quand elle descend, je l'attends. Un grand classique français, ça. Enfin, du moins, je l'espère. Il y a une autre chanson que j'aimais bien de l'artiste en question, là. C'est Tu me fais chaud, tu me fais froid. Ta-di-da-di-do-da. Oh, il faudra que je révise mes classiques français. Alors, attendez, je vais baisser un peu. Non, doucement. Faut pas qu'elle se cogne au plafond. C'est comme ça qu'on l'aime, Lara Croft. Oui, sauvegarde-moi ça. On progresse dans l'allégresse. La joie. Oui, ça sent bon. Ça sent la récompense au bout de ce. De ce point de suspension. Je débouche sur quoi là? Le classique des chambres secrètes égyptiennes. Pas d'ennemis, hein, pas de scorpions. Je me méfie des scorpions. Je vais rester les armes en main parce que je me méfie des comités d'accueil. Surtout dans les recoins peu accessibles. Apparemment, c'est calme qui règne ici. Oui, il est 15 h. Encore des crocos. Enfin bon, bref. Je vais pas m'en plaindre, j'arrive à progresser. Ah ouais. Les faïences sont magnifiques en arrière-plan. Croyez-moi qu'on va aller les admirer. Il n'y a pas un truc au pied du truc qui est planqué? Non, il n'y a pas un objet cadeau. Oh, c'est hiéroglyphe. Alors, c'est mon imagination peut-être, mais j'ai l'impression de voir. Regardez, à droite de Lara, tout de suite à droite, j'ai l'impression de voir une cloche. À croire que les Égyptiens fêtaient Pâques. Ça représente quoi? Un oiseau sur ses pattes? J'ai l'impression de voir une cloche, moi. Oh là là, on retrouve le symbole Ankh, on l'a vu brièvement dans les hiéroglyphes. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Mais une fois que je suis là, moi. Ah, faut que je retourne dans la flotte et dans le bassin. Il va falloir que je me laisse tomber intelligemment parce qu'il y a de quoi se tuer avec une aisance déconcertante. J'ai accès au bassin central. Il va falloir exciter les crocos à l'intérieur s'ils sont pas sortis de la salle pour qu'ils aillent en périphérie dans le bassin et au bassin périphérique que je puisse les trucider les doigts dans le nez. J'ai envie de tenter un truc très culotté. Ah ben non, elle peut pas. J'allais faire une tête, une piquée avec Lara, mais il n'y a pas d'eau directement. Non, 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 on est obligé de sauter à un endroit où ça va pas être trop la violence ou faire usage bah, de la barre verticale, quoi. Mais dans la barre verticale, faut l'atteindre, quoi.
On va essayer. On sauvegarde, on va essayer. Attendez. Attendez. Oui, elle est morte. Je savais que mon premier essai allait être infructueux. Et catastrophique surtout. Non, faut peut-être qu'elle saute sur la première et hop. C'est ça. Qu'elle descende un peu. Qu'elle tourne le dos à la seconde. Et qu'elle fasse de manière très classe un saut perdu arrière. Merde, elle a tapé le plafond. Mais je suis quasiment certain que c'est ça ce qu'il faut faire. Sans se péter le plafond. Elle peut le faire. Allez là, allez là. Du, 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 du. Non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé de douche. Je suis mauvais. Descends un peu. Encore un peu. Voilà, de toute façon, il y a de la marge, à vrai dire. Pas que je fasse ma chochotte. Allez, vas-y, 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 ma grande, vas-y, ma grande, vas-y, ma grande. Ah bah non! Mais elle a refusé de s'accrocher! Oh non! Bon bah alors je descends par la première perche. Allez, zou. Ou alors plus simple, ouais, je fais face et puis je ressaute sur la deuxième. En face, comme ça. Tiens, je vais aller boire un coup, moi. Oh, je suis désespérant, je suis navré. C'est exaspérant comme je suis désespérant. Voilà, tout est dit. Mais non! Oh là là, il fallait être strictement dans le... Allez, je m'en fous, pour mes efforts quand même, je m'offre une trousse de soins complet. J'espère que j'aurai pas besoin de 150 000 à la sortie de l'Égypte, mais bon, tant pis, je prends le risque. Allez, on va aller voir le bassin central. Avec peut-être des petits crocos qui vont chercher à me croquer une fois de plus le U. Oui, ils sont déjà là, les sagouins. Non, on va mourir. Non, 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 non. T'auras pas ton échantillon gratuit de Lara Croft, faut payer plus cher. Oups. Cool. Ça m'arrange bien qu'il se soit excité sur le mur là. Alors, si j'ai bien vu, il y a il n'y avait que deux crocos dans le bassin central. Ce qui voudrait dire que la voie est libre. Ah, oh, c'est beau, ces jolies faïences. Je sais plus c'est quoi le nom. Il me faudrait un représentant portugais sur ma chaîne. J'avais vu dans l'émission de Stéphane Thébault sur France 5 il y a 3-4 ans de ça. Un reportage dans la maison France 5, c'était très intéressant pour tout ce qui est décor intérieur et défi d'architecte. Ah, il y a une manette à la verticale. Attends, je reprends de l'air, je fais ça. Il y avait un reportage sur les carrelages faits par les Portugais. C'est une spécialité là, ils peignent avec de la poudre de lapis-lazuli là en bleu sur les faïences, les carrelages blancs. J'ai plus le nom portugais en tête. Bah alors. Ah. J'étais pas dans l'axe. Viens de penser un truc horrible. Elle tire sur le. Et en fait, ça vide comme un évier, elle se fait aspirer. Elle meurt. L'horreur. Le genre de truc qui pourrait se produire en plus. Bon, alors. C'est. Ah, bah d'accord. Et là, il y a quoi?
Une salle sous-marine. Elle peut ouvrir normalement. Avec ses mitaines, non, elle peut pas. Elle peut pas s'agripper. Oh non, j'ai compris. Le levier était chronométré. Oh, c'est fait long. Faut que je reprenne de l'air. Allez, moi un coup. Ah bah ben non, le truc est toujours déployé. Bah, qu'est-ce que j'ai actionné alors? Attendez, je comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai actionné? Je vais aller sur les plateformes à l'air dans les angles. J'ai actionné un truc, j'ai pas capté. Oh! Oh oh, je m'en serais voulu d'avoir loupé de la chevrotine. Faisons le tour. Bon, de toute façon, faut aller en face, alors comme ça. Ah! Une petite trousse de soins. Et apparemment, il y a encore de la chevrotine au bout là-bas. C'est ça. Eh ben, je ne m'en plaindrai pas. Ah. Ça se... Mais non, mais quel est l'intérêt? J'ai cru que ça s'escaladait là à bout de bras. Parce que Lara Croft avec brio sans les crampes. Non, elle peut pas de toute façon. Encore que, attendez. Elle peut l'atteindre? Ah, elle aurait pu. Mais c'est surréaliste, ça aurait été un truc de fou. Bon, je vais sauvegarder parce que j'ai quand même récupéré 4 objets bonus. On va pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce que j'ai actionné en tirant le levier? On est d'accord, le levier est toujours. Ouais. Non, bah maintenant il est immuable. Il est actionné, il est actionné. J'aurais actionné un truc en extérieur, moi? Attendez voir. Faut se méfier avec la. Ouais, t'aurais dit plouf, mais. Il faut se méfier. J'ai cru comprendre que les niveaux de Tomb Raider 4 sont interconnectés et le fait de tirer un levier, ça peut déclencher un truc qui se trouve à 1 km. Enfin, j'exagère, mais à 1 km de Lara. Donc. Ah merde! Je pensais pas tomber dans un trou. Ah bah, je suis retombé dans le truc à la noix là. Donc, non, c'est pas ça. D'accord que. S'il te plaît, Lara, recule. Et j'ai de voir un coup d'œil sur ta gauche, ma grande. Ouais. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de passage. Non, ça peut pas être là. C'est pas logique. Là, il y avait rien. D'accord. Il n'y avait rien non plus. Aïe, mince, je me fais mal. Et hop, un petit saut. Oh, ouch. Oh. Elle s'est fait bobo la tête, on n'a rien vu. Ah, ouf. La violence. Mais à quoi correspond le levier que j'ai tiré sous l'eau, moi? Parce qu'il n'y a pas eu de plan de caméra pour me suggérer la réponse. Alors, là où c'est traître, c'est que j'entends peu le retour du son du jeu, puisque j'ai pas mis mes oreillettes. D'ailleurs, j'ai pas cherché à résoudre le pépin. Je le ferai peut-être ce soir, tiens, en regardant Froboz. En regardant Froboz. En regardant Bastos et FunFan. Mais si j'avais une indication sonore, là, je l'ai dans l'os. Heureux, Olive. Ah, perdu, non, pas de prise. Par contre, tu peux tester le Vroom Vroom si tu veux, Olive, qui tue avec GT. Tente ta chance, comme personne ne l'a fait depuis un gros quart d'heure. Si ce n'est plus. Fais ça dans la vraie vie, tu la sentiras passer. Oui, tu m'étonnes, tu une scène, oui, c'est sûr. Un petit brisage de nuque, histoire qu'on en finisse. Voilà, à mon avis, avec moi, fragile comme je suis, c'est ce qui va se passer si j'essaie de faire ça en vrai. Et ouais, quelle drôle d'idée. Il y a Clara Croft qui peut faire ça. Ouais. C'est beau, hein, faut dire ce qui est, c'est beau.
Ah, mais c'est vrai, en plus, c'est une cabriole que je pense qu'elle le faisait déjà dans le 3, peut-être pas dans le 2. Elle peut faire un truc super classe quand elle s'accroche à un bloc et qu'elle essaye d'atteindre le dessus. Elle peut faire une cabriole magnifique. Attendez, je vais voir si je peux pas essayer de la faire. Mais il faut un endroit sec en fait. Je me demande si. Attendez, je vais essayer du coup. J'oubliais qu'elle pouvait faire ça aussi. Je crois que c'est pas indiqué dans le manuel, mais elle peut faire un truc super classe. Non, pas en sautant. Tant pis, c'est pas grave. On le fera à l'occasion, quand j'aurai un bloc qui correspond. Ah, attends. Ah, bah non, j'allais dire, il y a le dessus de la grille, mais non. Le truc, il me. Il me nargue. Merdoum! Qu'est-ce que j'ai enclenché en tirant ce levier? Oh. Qu'est-ce qui a échappé à mon attention dans cette histoire? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Attendez. De toute façon, en artefact, j'ai qu'un truc spécial qui est l'amulette de Horus. Mais pour le moment, j'ai pas l'occasion d'en faire usage. Je cogite là. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel j'ai été coincé? Non, je crois pas. Oh bah merde alors. Fait rien là, là. Je fais contrôle devant, elle en fait. Ah bah! Ah bah bravo! Oh, il faut se mettre en face, mais vraiment du cube, pas de la. Là où elle va mettre ses doigts. Eh bah dis donc, j'étais parti pour rester comme un ego coincé pendant des heures. Oula, 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 j'ai un gros souci d'apnée. J'ai un très gros souci d'apnée. Vite, il me reste quelques secondes. Non, 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 oui, c'est beau, c'est bleu, mais c'est la mort pour Lara, elle a pas d'air. Non, elle va mourir d'asphyxie. Adieu, Lara, on t'aimait bien. Oh là là, l'épreuve de la mort. L'épreuve de l'amour. Merde, j'ai merdé mon son. C'est ça. Le fait de pas manquer d'air. Et bah malheureusement. Chi! Attends, je reprends mon oxygène plein poumon parce que je sens que le parcours en apnée va être long. Bon, cette fois-ci, je vais partir dans la direction opposée. J'avais un carrefour là, non? Où j'ai rêvé. Je dirais pour le moment j'ai pas le choix, mais surtout encastre-toi, je ne te dirai rien, Lara. C'est juste que je finirai par en avoir des fois. Mais non, mais non, mais il n'y a qu'un seul chemin en fait. Ah non, attendez. Attendez, il y avait une intersection. Non que non que non que non que non. Ah voilà. Me fais pas le coup des bugs de collision, Lara. Non. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dans d'atroces souffrances, Lara. Tu vas aller là où je te demande d'aller, vilaine. Je recommence, elle est morte. Ouais, quasiment plus de vie. Sniff. Allez, fais-moi un beau plongeon. Voilà, au moins on n'aura pas tout perdu.
Alors, c'est parti, mon kéké, on ouvre la porte. On remonte après, reprendre de l'oxygène et on y va pour de bon. Je ne perds pas espoir. Get a pastille, get a pastille, get a machine, electric machine, get a pa, get a pa. C'est un vieux titre, ça aussi. Oula, 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 la, la, non, Lara. C'est interdit de faire ça, c'est anti-jeu. Poilonneux. Mais non, mais. Oh là là, mais c'est pénible leur parcours de. De ruines pétées là. Ouais, évidemment, je vais pas dans le bon sens. Ça m'aurait étonné. Je n'y ai pas y arriver, au secours, maman, j'ai la nausée. Elle va encore manquer d'oxygène. Mais arrête de t'encastrer contre le mur droit, malheureuse! Oh là 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 là. Oh merde, et puis je crois que j'étais à la fin de mes péripéties, mais non. Mais non, j'ai juste gagné une trousse de. Je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Putain, me rembourse des crocos là. Et encore, non, je dis ça de ma chute de tout à l'heure. Avec les deux barres verticales là. Alors, il faut faire un truc ici. Mais, il doit y avoir une manivelle. Non? Attendez, vous êtes sérieux les gens? Alors là, il y a un truc que j'ai pas capté. Oh, c'est un miroir! C'est un miroir! Oh, ces Égyptiens! Shabadabadabada, je me calmerai pas parce qu'elle se prend tous les angles, même ceux qu'elle invente. Oh, ça s'est joué à rien du tout pour l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que cette salle sous-marine? Je, bêtement, je re-sauvegarde. Le lac sacré, là, il va me. Est-ce que je peux y aller une torche à la main? J'y verrai peut-être mieux. Voilà, avec les torches au Roquefort, au Roquefort pendant que j'y suis. Allez, hop. Allez, c'est l'heure d'être festival gustatif en Égypte. Les premières torches au Roquefort. Une fois que vous avez consumé votre torche, vous avez le droit de la bouffer. N'importe quoi. Au Phosphore, évidemment, vous l'aurez compris. Alors, il y a une manivelle, il y a un truc, je sais pas, le fait d'arriver avec de la lumière devant le miroir, je suis complètement ébloui. Ça me révèle pas de secret. C'est pas ça qui apporte de l'oxygène à Lara. Et la torche, elle s'est déjà consumée. Joie! Youhou! Je suis dans la mouise. Qu'on se le dise. Encore. Oh, cet angle de la mort qui tue! Oh, je serai maso, je dirais, pour mon anniversaire. Je veux un gâteau avec que des angles obtus. Non, mais va mourir, Lara, va mourir. J'en ai marre, moi, de tes trucs pas possibles. Mais il n'y a même pas de. Je comprends pas. Alors là, 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 le défi, il est. Mais j'honore les concepteurs du niveau, hein, mais. Bon, à part pour ces bugs de collision, mais. L'idée de la jugeote, là, il y en a besoin. Pourquoi ce miroir aquatique? Est-ce qu'à un moment, il faut pas vider l'eau de sa pièce? Il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle interagisse avec le miroir? Non.
Et là, vous avez Lara Croft qui fait dis-moi qui est la plus belle. Eh si, attends, je vois un truc en parallèle au plafond. Comme s'il y avait. Malin. Malin, le coup du miroir qui te révèle où est-ce que tu peux passer la tête à travers l'illusion. Je valide. Je valide. Très bien. Culture égyptienne. Vous connaissez l'énigme dite du Sphinx? Qui le matin évolue sur quatre pattes, le midi sur deux pattes et le soir sur trois pattes. Alors, c'est pas pour me vanter. Excellent, l'artefact. Je sais où est-ce qu'il va se mettre. Dans un endroit précis. Pas au chaud, même si on est en Égypte. Ça ne se fait pas. Ah oh oui, cet artefact. Et mon papa s'était amusé quand j'étais jeune adulte à me la soumettre. Et j'avais trouvé sans triche. Il s'agit en fait de l'homme. Quatre pattes le matin, vous êtes gamin, vous crapahutez au sol et vous n'avez pas encore ni le sens de l'équilibre, ni suffisamment de tonus musculaire au niveau des pattes pour pouvoir tenir debout. Évidemment, l'heure du déjeuner, le milieu de la vie, bah, vous êtes censé vous présenter de toute votre superbe, vous tenez normalement sur vos deux jambes. Et vient le crépuscule de la vie d'un homme, bah oui, à devenir tout branlant, fatigué. On se sert d'une canne pour se mouvoir, donc trois pattes. Telle est l'énigme du Sphinx. Attends, Frobo, j'ai vu que t'as proposé quel était le comble d'un Égyptien, je crois. Attends. Je vais sortir de mon. Pour une fois que j'ai pas de collision, là, tiens. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ouais, j'ai fait une sortie correcte du bins. Allez, je sors de là. Ah oui, alors oui, c'est vrai que la grille en bas, elle, c'est. Va falloir que je repasse par là, en fait. Alors attends, je te lis. Pendant qu'elle profite de sa piscine là, sans croco. Ah, pardon, Twinsen, excuse-moi. Je croyais que c'était. Quel est le comble pour un Égyptien? C'est d'avoir un papyrus. Excellent. C'est con, mais elle est excellente celle-là. Non, oui, pardon, excuse-moi, Frobose. J'ai regardé d'un coin de l'œil. Tu m'excuseras, j'ai confondu le marron et le mauve. Excuse-moi, mon cher Frobose. Mais promis, bientôt je vais aller chez l'opticien changer mes verres de lunettes. Je n'aurai plus d'excuses. Bientôt. Ouais, allez. Je vais m'acheter un cerveau aussi parce que j'ai pas repris la bonne sortie. Mais bon, ça, c'est un classique chez moi. Bonjour Christella! Ouais, pas trop chaud en Égypte comme tu dis. Alors moi ça va, j'ai quoi? J'ai 22 et demi quand même. J'ai 22 et demi chez moi et j'ai baissé les volets. Bon, pour la grande fenêtre, pas la petite. Histoire que j'ai quand même un peu de lumière naturelle. Non, je suis allé m'acheter du miam entre midi et 2. Et 45 minutes de sortie, je m'en souviens. J'ai, vous voyez, j'ai changé de t-shirt par rapport à ce matin, je suis allé me doucher hein, parce que j'étais cuit. 45 minutes, moi qui tiens pas la chaleur, non, franchement ça tape. Déconne, ça faut pas déconner. N'oubliez pas de boire régulièrement de la flotte. Wouah, Lara qui a été aspirée! Ah, ce courant imparable. Oh mon Dieu. Mais merci Christella, oui, ça va fort bien, j'espère que toi aussi. Donc ça va, là, je suis confortable à faire mumuse en votre compagnie et sur Tomb Raider. Tant que je réfléchis à ce que je fais, moi. Alors que Lara prend même pas le temps de s'égoutter. Oh mon Dieu! Et... Mais j'ai bien aimé là à l'instant l'énigme du miroir aquatique. Oh là là! Mais c'est du génie ces jonctions de niveau! J'adore! Ah! Je vais essayer de faire la belle cabriole. Voilà! C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Pour ceux qui connaissaient pas. Stylé! Oh, c'est trop artistique, c'est génial!
Attendez, je vais quand même l'inviter à descendre sans se casser la binette. Ce sera toujours 7 prix. Ouais, j'ai le deuxième artefact. Il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Pas si loin que ça. Oh, c'est des génies, ces Égyptiens. Ah bah, faut que j'aille là, en fait. Mais oui, mais c'est là. Dites-moi que c'est là. Ah, le canopé suivant. Ou la canopée, c'est féminin. Oh! Oh! Et les eaux sacrées du Nil se déversèrent dans la coupole qui se renversa là. Ok. Bon, bah si tu veux. Alors. Oui, les vannes de Tunsen sont. Ah, elle a pied. Je me disais, mais comment elle a fait ça? Oh mon Dieu! Elle est en mode Jesus! Ah, oh, c'est quoi ce délire? Ah, oh, blasphème! Jésus n'a rien inventé. Il a piqué la recette aux Égyptiens. Bon, c'est une blague de Cato, excusez-moi. Ah oui! C'est énorme! C'est énorme! Oh là 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 là! Au prochain épisode, nous allons trouver la recette des Égyptiens qu'aura shippé Moïse pour couper la mer en deux. Franchement, on y est à deux doigts. Ah, c'est énorme! Ah, c'est génial! Je veux marcher sur l'eau, oui! Le mode Jésus, ça me plaît! Youpi! Ah, puis s'il y a des vilains, je prendrai soin de multiplier les pains. Ah. Non, mais c'est trop bien. J'adore l'idée. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, je prends même plus le temps d'admirer. Faute. Faute, 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 parce que c'est tellement beau. Alors, c'est quel pharaon? Je reconnais pas. Ou alors, c'est la coiffe du roi d'Égypte? Sérieux? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui... Tweet scène, je la lirai pas celle-là. Tu m'as à peine perturbé. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait éventuellement... Alors cherchez pas, perdez pas votre temps. Si quelqu'un de tête reconnaît le perso, s'il vous plaît, par curiosité intellectuelle. C'est tout en carton d'après toi? Ouais, ok. Bon, le pauvre, il va finir avec une pyramide en feu avec moi, mais... Ok, ce serait le fameux Toutankhamon. D'accord. Ok. Il avait de gros pieds, le mec. Oh la vache. Non, je suis chié, parce que vu la taille, c'est proportionné. Je suis vilain. Attends, il y a Anubis, cousin? Oh. Bon, voilà, j'ai suffisamment fait un plan... Quitte à prendre une capture d'écran, je reverrai ça hors antenne, mais c'est très intéressant. Ah, oh, il y a des scènes au mur, il y a des scènes au mur. Oh, qu'est-ce que ça dit? On dirait presque un mariage là. Ils ont l'air heureux. Ouais, attendez, excusez-moi. Je fais Gerbotron avec la caméra, mais attendez. En regardant avec les yeux de Lara, on dirait un couple. C'est Mimi, un pharaon, une pharaonne, enfin un Égyptien, un Égyptien, un Égyptien, une Égyptienne. Oui. Ah, mais ouais, mais on dirait que les gens s'enlacent, s'embrassent. C'est des embrassades. Enfin, ça m'inspire que du bon, ces illustrations. Un peuple heureux. C'est beau. Il est beau, il est beau. Il est beau, qu'il est beau, à beau. Que signifie cette symétrie? Oh! Non! Et en bas, l'artefact dans une cage de farfadet. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec un croco de la mort qui tue? Mais viens par ici, le croco! Va mourir! Ouh! Mais il va. Oh, il y a un truc au fond de l'eau. Alors, je ne sais plus si je peux marcher sur l'eau ou. Blablabla. Attendez, je vais sauvegarder et on va prendre des risques. C'est aussi simple que ça.
Nous sommes apparemment au temple de Karnak. Non, j'aurais dû faire une piquée. Oh. Attendez, j'allais. Comment... Oh, ils sont deux. Ouhouhouhou. Bah alors, oui, merci là. Ah, mais il y en a juste à côté de moi! Ah bah heureusement. Alors j'ai du bol! C'est buggy, il me croque pas cet idiot! Alors là, j'ai du bol! J'étais parti pour me faire avoir comme un bleu! Ah bah elle est pas mal celle-là! Mais elle tire dessus ou elle tire dans le vide là? Non, non, elle le vise, hein. Ah oui, il est mort. Attendez, excusez-moi. Je finis la scène d'action avec le troisième croco et je vous lis dans le chat. Enfin. Bah oui, du coup, il y avait trois crocos, il est passé où l'autre? Oh, je sens qu'il me réserve une surprise, le croco. Après la tauromachie, il y a la crocomachie. C'est un concept. Non, il n'y a plus? Bon, on va voir. Je me mets à l'angle, si Lara Croft pointe quelque chose, je tire. Alors je vous lis, et je bois, parce que j'ai soif. Viens de lire ton tout en camion, fan fan. Oui, bien sûr. Camion, parenthèse, jeu vidéo, Frobos qui a eu la gentillesse de m'offrir le American Truck Simulator. Faudra qu'un jour on s'organise et moi je serai en direct, on se fera une vocale ouverte où je ferai le camionneur. Ce serait sympa qu'on se fasse un jour comme ça. Bonne tondeuse, Tunsen, bonne tondeuse. Fais gaffe à la chaleur, hein, sans déconner. Fous-toi une coiffe, prends une bouteille de flotte parce que ça. Wouh! Ça tape. Nanana. J'ai dit farfadet? Ah merde! La cage à Faraday. Merci Christella. Voilà. On pourra jouer en mission coop aussi sur. Ouais, volontiers. Ouais, faudra qu'on s'organise ça parce que moi aussi ça me plaît. Et puis, c'est détente. C'est un simulateur détente quand tu conduis le camion. Surtout quand t'es lancé sur autoroute et qu'il se passe rien. Pour parler comme si t'étais à la CB avec les autres routiers, c'est énorme. C'est franchement, j'aime bien l'atmosphère. Et on passe faire une vocale ouverte en même temps à bavarder de tout et de rien. Franchement, il faudra qu'on se le fasse durant l'été là. On synchronisera nos agendas hors antenne les jours prochains, si tu veux bien, Frobose. Qu'on se fasse ne serait-ce qu'une demi-journée, voire peut-être une journée complète, dans l'ambiance comme ça. Bah, j'allais dire le prochain jour férié, c'est le 14 juillet. Peut-être, on verra. On verra. Si on peut se le faire avant, on se le fera avant. On verra. Mais l'idée me plaît bien. Bon, il n'y a pas de croco, je sauvegarde et on continue l'aventure là parce qu'il y a plein de choses à faire. Ah! Récolte 10 objets. Encore de la chevrotine. Alors, ce qui est dingue, c'est que je ne me sers même pas de mon fusil. Mais pour peu qu'il y ait un hypothétique boss à un moment donné. Au moins j'aurai un droit de réponse, comme on dit. Alors attends voir. Je crois que j'ai ramassé tous les objets. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est plus fort que du Roquefort, diront certains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce serait pas un bouton, ça. On n'y voit rien. Eh oh, une torche, s'il te plaît, là. Voilà, qu'on y voit quelque chose quand même. Bon, déjà, je suis content de ne pas avoir été cueilli par des scorpions. Ah, les Égyptiens avaient un modèle de grille pliable. Je leur envie. C'est extraordinaire. Voilà, on doit tout aux Égyptiens là, c'est incroyable. Cette technologie. Oh là là. Dibidi bidi bidi. D'ailleurs. Ah, dans une demi-heure le départ des 24 heures du monde.
la 90e édition. Mais je vous en parlerai demain. Il ne prend pas la statuette? Ah si, elle prend tout. Oh, puis il prend le piédestal aussi. Puis on la voit, hop. Elle embarque le tout. Oh, ce serait génial comme gag. Quoi? Hypostyle qui? La clé hypostyle. Mais il y avait un lieu que j'ai visité là dans le nom des sauvegardes. C'était le nom de lieu, c'était hypostyle truc muche. Oh, la déesse du soleil. Oh, c'est-il pas beau. Oui, attendez, je vais sauvegarder. Non, c'est vrai. J'étais dans le bon menu. Le menu qui pique les yeux. Pour un bug que je ne saurais parer. J'en suis navré. Alors, il faut que je fasse machine arrière, du coup, moi, dans l'histoire. Oui, je faisais la remarque tout à l'heure, Christella, ça te parlera, puisque tu l'as fait récemment sur ton antenne. Ce qui me permet de te faire un peu de pub, avec grand plaisir. Que les décors, quand on gomme parfois Lara au premier plan, quand on voit ça, on pourrait se croire dans Serious Sam. Je pense que tu partages le même avec moi. Twinsen qui dit, en tout cas dans la liste des choses à faire pour la préparation de ma venue de sur Twitch un jour, une des choses dedans va se faire quand tu voudras, j'en dis pas plus. Une des choses dedans va se faire quand je le voudra. Quand il le voudra, nous le voudra aussi, il ne sait plus conjuguer. Ah, et il voulus. Wallous. Bon, bref. Ouais, hein, ça fait franchement penser au décor de... Serious Sam. Ouais, ouais, bah ouais. Et là, un gros scorpion à Gatling. Ah là là. Bon, elle peut toujours marcher sur l'eau façon Jésus, donc elle va pas faire une tête. C'est ça. C'est trop fort. Oh, j'adore l'idée. Tout n'est qu'illusion. Méfiez-vous de l'Égypte. Il n'y a pas que des mirages. Ah, ah, il y a pire. Et oui, et je me barrais de la pièce par là. Aïe, aïe, aïe. De l'intelligence de la conception des niveaux pour obliger le joueur à passer plusieurs reprises au même endroit. Ha, ha, ha. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je touque. Nickel. Passage que nous n'avons pu emprunter depuis le week-end dernier. Oserais-je dire que cet endroit m'a manqué? Je vous avouerai un peu. Parce que c'est trop bien. Allez, zou, elle crapahute. Doum, doum, doum. Alors, par contre, le restant du niveau, j'ai déjà à moitié oublié. Ouais, c'est le petit couloir... qui est complètement investi par la dune là. Mais c'est vrai que ça me déplairait pas, mais je sais pas si j'aurai le temps de me refouter à l'éditeur du niveau de Tomb Raider et essayer de me faire un niveau dans les glaces. Oh merde! C'est vrai qu'il y a des hommes de monsieur qui roule en limousine dans le désert là. Quel monsieur avec son chapeau, il se prend pour un émir, mais c'en est pas un. Nier, nier, nier. Bah, il va se calmer, ou le bédouin avec sa mitrailleuse, là. Hop, 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 non, il faut surtout pas que je retourne dans le trou, moi. Je serais capable de commettre l'erreur monumentale de retourner de là où je viens. Non, que non, que non, que non. Là, il y a toujours... Je sens qu'il y a un truc qui va être déversé à un moment là-dedans. Reste à savoir quoi. Ouais, allez, tu peux le faire. Ouais. Pour les plaisirs. Non, honnêtement, on va vérifier ce qu'il y a derrière. Je sais plus, en fait. Comme ça date du week-end dernier, ma mémoire, évidemment, vous pensez bien, est déjà effacée. Je sais plus ce qu'il y a derrière.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Elle s'est fait avoir par un satané scorpion. Merde, j'avais évité les piqûres de scorpion jusqu'à maintenant, et puis là, lui, il a réussi à me planter le dard dans le... Oh non! Oh non! Non, oh scorpion, non, oh scorpion. Oh là là! Oh là là, oh mon dieu, elle est prise de malaise, elle se sent pas bien. Oh mon dieu, allonge-toi Lara, je sais pas, fais quelque chose. Au secours. Ah! Est-ce qu'il y a de l'antipoison dans la trousse de soins? Oui. Bon, il était. Voilà, c'est bien, elle est bien équipée. Ouh là là, c'était Gerbotron là. Satané scorpion. Donc il faut que je sorte de la salle. C'est pas possible autrement. Ça me rappelle même un peu le 1, hein, cette disposition de pièces majestueuses. La pyramide Atlante de Nakla. Il y a des airs, je trouve. C'est génial. C'est génial. Ouais, la suite doit se passer au carrefour des... Pas des civilisations, mais presque. Oh là là, cette embuscade, mais va mourir, toi. Monsieur le Bédouin mitrailleur, là. Oh là là, puis il y en a un autre qui est entre deux piliers. Oh. Non. On veut plus de vous. Oh là là, ce côté bleuté de fou. Oups. Tiens, tiens, ça mène où ça déjà? Ah bah, la bonne blague. La bonne blague. Il y a deux accès pour le même endroit. Je pourrais me faire avoir comme un bleu. Heureux, mon cher Bastos. Heureux. On pourrait presque soupçonner qu'elle peut... Mais elle pourra pas. Merde! Qui c'est qui me tire dessus? À eux quatre, ils m'ont sucré la moitié de ma vie, là. J'aimerais qu'ils fassent un remake de cet épisode. Ce sera sympa. Qu'à moins que le prochain Tomb Raider se passe en Égypte. Mais il y a je sais plus qui a débarqué sur mon antenne la semaine dernière. Il est venu qu'une seule fois là, donc j'ai plus son pseudo en tête, sans offense. Qui disait je suis un fanat du 4, qu'il adore cet opus, et qu'il avait espoir lui aussi qu'il y ait une refonte de cet épisode-là au temps moderne, enfin au temps moderne, au goût du jour. Mis à jour et que j'avais expliqué que c'est pas impossible. Je ne suis pas dans le secret, je n'ai pas lu d'informations dans ce sens, mais. Ah oui, c'est vrai que c'est des urnes qui se pètent pas, ça. Ça donne des urnes en métal. Fêter le centenaire de la découverte de Toutankhamon, ce sera en 2024. Et peut-être que si ils sont fut-fut, ils font un Tomb Raider en 2024 spécial Égypte. Peut-être celui-là remis au goût du jour pour fêter la découverte, justement, le centenaire de la découverte du temple de Toutankhamon que je vais enregistrer avant d'aller dans le trou parce que je crois que je pourrais pas remonter. Eh oui, chargement de niveau. Oui, je retourne là. Est-ce que j'ai intérêt à retourner là, moi? Non? Attendez, c'est quoi le nom du niveau? Elle a plus son chrono? Qui indique le nom du niveau? Oh merde, c'est nul. Je suis dans le temple de Karnak. Bah si, je suis obligé de me laisser tomber et de faire une sauvegarde bidon pour avoir le nom du niveau. C'est un peu couillon quand même.
Attendez. Je suis dans le world Hypostyle Hall. Oui, mais j'ai la clé de Hypostyle, donc il faut que j'aille là. Mais oui. Le con où j'avais dit qu'il y avait une chambre secrète avec une serrure, que j'avais pas la clé, bah je l'ai maintenant, pardi. Si, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Ah, yega, mais c'est quoi qu'il a comme arme? On dirait qu'il a cueilli un poireau, le mec. Ah, salut. Attends, mais c'est vivant son truc, ce Thor. Mais c'est un boss, ce mec. Oh, lui, il va me gaver. Je peux pas lui donner un suppôt, là? Non, j'ai pas de lance-roquettes, faut pas déconner non plus. Bah tiens, allez, hop. Tiens, tu vas goûter à de la chevrotine, vilain. Allez, déguste. Allez. Allez. Ne me dis pas qu'il part les balles avec... Ouh, lui, il va me donner du fil à retordre. Ouh, je vais passer au-dessus. Ah! Elle me disait bien qu'il fallait pas que je reste fixe devant lui, qui parait des coups, les balles, le salopard. Coriace, le Mickey. Mais on la fait pas comme ça à Lara Croft. Faut pas croire. Bon, je ne sais plus, j'ai l'embarras du choix. Où vais-je? Où vais-je, où vais-je, où vais-je? Effet de surprise garanti. Non, il va me planter en me courant dessus avec son truc pointu. C'est cette année le centenaire. La tombe Tokamoto découverte en 422. Ah bah merde, pourquoi j'ai retenu 1924 et 2024, moi? Merci de m'avoir corrigé, Christella. Eh ben, peut-être qu'ils ont bien gardé le secret et que le 4 novembre prochain, Tomb Raider remake en Égypte. Ce serait pas plus mal, au moins que j'ai fait celui-là classique juste avant. Ce serait trop bien. Ah! Non. Quand il fait son truc de majorette, ça veut dire qu'il part mon attaque, le salopard. J'ai bien compris. Il faut vraiment que je bouge et que je l'enquiquine. Bon. Pareil, combien qu'il y en a un qui va surgir là-dedans? Me trompe? Je me trompe. Ouais, non, là il y avait des objets à récolter, là il n'y a plus rien. Donc, c'est un mur, ça sert à rien. Oh, misère! Chiche, clouche, 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 clouche. Oui, je suis un peu le chat en même temps. Eh ouais! 70 ans avant ta naissance et 60 avant la mienne. Oh mon dieu! Pardon. Il y a par là-bas, il y a un truc au-dessus que je pourrais pas atteindre. Puisque je pense que c'est le ciel, à moins qu'il y ait un truc qui m'échappe. Ah oui, il y a peut-être un truc qui m'échappe, effectivement. Je crois qu'on peut allègrement grimper sur le... Comment ça, tu t'es trompé? Ah, pas canon! Foutu scorpion! Mais non! Mais elle va encore nous faire un malaise, là! Oh là là! Je m'étais jamais fait avoir par les scorpions avant. Ah, t'as dit bonsoir! Oui, on... On va dire plus rien ne m'étonne. Pas te concernant, mon cher Frobo, je ne me permettrai pas, mais... façon avec... Ah oui, attends, les scorpions, je peux les zigouiller. Non, pas au flingue normal. Ce qui m'étonne pas, c'est Twitch à l'international. Là, par exemple, ce matin, j'ai eu le plaisir d'avoir le coucou, la visite d'Erika, qui est, je le rappelle, est québécoise. C'est mon ambassadrice, adorable ambassadrice Québec. C'est pour ça que je lui avais attribué un pass VIP sur mon antenne. Parce qu'elle est mon ambassadrice Québec, tout ce qui est culture, question Québec. Elle vous répondra avec plaisir et c'est toujours très intéressant
d'échanger avec des personnes de contrées différentes. Je suis pour le monde cosmopolite, les amis. Vous le savez très bien aussi. Oh mon Dieu, c'est Gerbotron. Oh là là, 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 ce poison. C'est trop bien l'effet graphique du poison des scorpions. Sacré Froboz. Fui, fui, fui. Bon, je vais la soigner parce que ça fait vraiment Gerbotron et puis je voudrais pas qu'elle meure comme un caca bêtement. Tu n'étonnes plus personne. Est-ce que tu roules en Harley Davidson? J'ai dû voler la réplique à FunFan. À mon avis, celle-là, elle pouvait la faire. Alors, je vais reprendre une torche au phosphore parce que il y a pas mal d'endroits trop obscurs à mon goût. Je pourrais oublier de faire l'exploration intégrale des lieux. Oh la vache. Il y en a des choses à faire. Attendez, il y a une chambre par ici, il y avait une chambre de l'autre côté. Enfin, un lieu à visiter quand je dis chambre. Merde, mais ils sont chiants, eux. Oh là là, je vais retourner au fusil. Parce qu'il me les brise. Oh non, pas de ninja en même temps là, ninja du désert. Calmez-vous là, les. Oh là, les agents de l'émir. Non, mais non, mais non, mais. Oh, surprise! Tu t'attendais pas à ce que Lara se retourne et te tire dessus. Oh, je lis! Cette confrontation. La violence. L'autre t'as rien laissé? Oh, à défaut d'être des bédouins, c'est des sagouins, les mecs. Ils sont pas généreux du tout. Hé, mais j'étais là tout à l'heure. Je reconnais le lieu. Avec le grand saut à faire là, de fou furieux. Hein, ne m'étonne plus d'ailleurs, si l'on en croit ton pseudo, c'est pas au vieux singe que l'on fait la grimace. Non, que l'on apprend à faire la grimace en fait. Je crois savoir que la maxime originale c'était ça. Ou c'est même un proverbe d'ailleurs. Ah, la v'là, la dite chambre avec la clé. Yes! Ah oui, elle peut même bugger Lara pour fêter l'occasion. Oh! Oui, demain, législative, vote. Alors, soyez pas surpris hein, si je prends pas mon antenne dès 9h, mais plus vers 10h. Vous aurez compris pourquoi. Mais législative, alors, j'y pense parce que je te vois, Frobose, et que t'es nancéen comme moi. Je sais pas si t'as vu les affiches des candidats aux législatives dans notre secteur. J'en ai aperçu une en pleine rue où j'ai éclaté de rire. J'ai cru que c'était Rossino. Donc André Rossino, c'est notre maire historique de Nancy pendant près d'un quart de siècle. Entre-temps, on a eu son dauphin, dont j'ai oublié le nom. Et là, on a Monsieur Klein qui dirige Nancy. Ils sont chiants. Oh! Et on a eu Laurent Hénart, juste avant, qui était le dauphin de André Rossino. Et il y a un candidat dont j'ai pas retenu le nom. Franchement, j'ai cru que c'était André Rossino avec une perruque, alors qu'il est chauve. Hein. J'étais mort de rire. Pour le premier tour, je vote pour moi. Et au second, je vote pour moi. Pour même, oui. Excellent. Je te reconnais bien là. Alors, une nouvelle salle. Waouh, il y a des trucs en Égypte, il y a des trucs. Oh, elle peut pas se décaler, elle peut pas aller en gauche-droite. Oh, tout ça parce que c'est un pilier, abusé. Remboursé. Je vais tricher, je vais tenter de faire un saut légèrement sur le côté. Attends, non mais je crois que je peux le faire en plus. Je crois que je peux le faire. On va la tenter et hop. Oui, je t'adore. On t'adore pour ça, Lara. Oui.
Ou ça va rien m'apporter du tout en fait, mais pour la classe au moins, ce sera fait. Voilà, j'ai gagné un point de vue exceptionnel de la pièce, c'est mon seul intérêt. Ah, il y a des munitions Uzi en contrebas. Bon bah ça se refuse pas. Allez, hop. Enfin je crois. Ah non, c'est un Uzi carrément. Donc ça veut dire qu'elle a la paire. Je me trompe? Magnifique. Ah, on se sent mieux dans ces moments-là. Elle a du répondant, cette fille. Elle a du répondant, méfiez-vous. J'ai mal vu sur ma gauche. J'ai pas vu un truc incrusté au mur là. Je vais bientôt changer mes lunettes. Voilà, ça c'est fait. J'étais persuadé qu'il y avait eu un levier. C'est quoi la taille de ces piliers de fou? Waouh, c'est la classe. J'adore l'endroit. Oh. Oh. Oh non, encore eux. Ah, ça va, c'est un Mickey à la mitrailleuse. Allez, va mourir, toi. Ah non, il sort son truc à la CON là. Ouais, toi aussi, t'es un gymnaste qui fait des crevaillons, j'ai bien compris. Bon, bah ça va, il est mort quand même. Et au moins, je l'aurais pas fait au fusil. Hic. Alors, les bandes de Ninja Gaiden, là, comme pourrait dire Devil Olive, ils sont pas. Non. Oh. Attendez, je sais même plus d'où je viens. Quelque chose me dit qu'il faut aller ici, même si c'est pas le paradis. Et ça ne m'apporte rien de nouveau. Si j'ai un plafond, ah, le plafond interdit aux crampes, vous connaissez. Tiki-tiki-touk, et puis le chemin continue. Wa-wa-wa-wa-wa-wa, intersection. Oula, il y a des trucs à déclencher là, mes amis. Oula là. En plus, pour retenir où est-ce qu'on est. Oh là. Mais je comprends que ce niveau soit d'anthologie là. Wa. Ah mais non, mais je suis revenu à un truc jumeau en symétrie là. Parallèle. Mais là aussi, je peux faire de la suspension de plafond. Mais quel est mon intérêt? Ah oui, l'intérêt est énorme. Il y a une manivelle. Waouh. On ira sur la manivelle quand tu voudras et quand tu t'iras encore. Oh, il y aura l'ouverture du passage de la mort. Oui. Ça sent bon. Oh merde! Je fais l'idiot et je me recrache pas. Oh merdoum. Kretoum, chutoum, bordeloum. Non! J'ai vu un truc voler. C'est quoi? Oh! C'est énorme! Ah, c'est vachement bien qu'ils aient pensé à l'ennemi qui fasse pareil. Oh, la chute qu'il va faire, le malheureux. Oh, j'ai adoré! Alors, excellente l'idée là. Oh, c'est génial! Au niveau action, c'est. Ah non, mais je suis déchaîné, hein, excusez-moi du peu. Pour le. Oui, je vous avais déjà lu dans le chat, pardon. Énorme. Bah, 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 bah.
Bidi bidi bidou. Alors, comme toute bonne démocratie, j'ai envie de dire, j'ai bien compris que Funfan n'est pas accro aux histoires de Lara Croft et que, comme j'ai annoncé hérétique, mais que je veux m'en servir comme bouche-trou, moi idéalement, mais bon, je vous avouerai que les deux jeux me font plaisir. Bon, j'ai quand même un peu plus le penchant et le béguin pour Lara Croft. Mais même, les deux, très honnêtement, de toute façon, je ne vous proposerai pas de jeu qui m'enquiquinerait. Ce serait débile et contre-productif. Je vais vous soumettre un vote pour savoir si vous souhaitez que je continue Lara Croft jusqu'à 18h ou si. Enfin, 17h45, puisque tableau mystère. Ou si. Attendez, je vais vous mettre quand même une belle vue avec Lara. Voilà, ça c'est magnifique. Ou si je fais un peu de The Heretic. The Heretic. Il faut peut-être que je retombe sur ma. Comment ça s'appelle? Sur ma chaîne pour pouvoir vous soumettre le sondage, ce serait bien. Attendez, qu'est-ce que j'ai Il faut fait? peut-être Oui, que je bon, d'accord. retombe sur ma. Comment Oh ça mon s'appelle? Dieu, mais non, mais je vois ma propre. Alors, dans 2 minutes, vous allez avoir le vote. Alors, en gros, on va dire 16h30, 17h45. Choix. Je continue avec Lara. Donc, Tomb Raider 4, vous l'aurez compris. Ou Hérétique. On commence le chapitre 4 d'ailleurs, sur 5. Hérétique 1 d'ailleurs. Je vous laisse. Oh bah. Allez, 10 minutes. Pour peu qu'il y en a qui arrivent en cours de route, je changerai à 16h30. Voilà, je vous laisse 10 minutes pour voter. Peinard, prenez votre temps. Faites-vous plaisir. Vous avez 10 minutes tranquille ou peinard pépouze pour voter. Je rebois un coup et on continue. Poil au hu. Je soupçonne que FunFan vient de voter. Ah, deuxième choix hérétique. J'ai un deuxième vote hérétique, dis donc. Ah ouais. Tiens, tiens. Alors vous en faites pas, hein, je taquine FunFan, parce qu'évidemment il a clairement affiché son choix, mais les votes sont anonymisés. Hein. Ah ouais. Ah tiens. Je suis surpris du résultat. Comme quoi, de l'importance de sonder son public pour. Ah ouais! Ok, d'accord. Oh la vache, 4-1 pour Hérétique. Ah ouais, tiens non. Ah bah, je vous cache pas ma surprise. Bon, bah, je sens qu'on va basculer sur Hérétique dans moins d'une demi-heure. D'accord. Eh bien. Non, moi je joue encore un petit peu avec Lara Croft. Non, me fais encore 20 minutes avec. Oh! Elle est apparue en mauve le quart d'un dixième de seconde. C'était quoi? C'était fou. C'est le restant du venin des scorpions là qui l'ont rendu très coloré. C'est horrible. C'est horrible. Oui, alors mon idée était excellente d'être suspendu au plafond parce que il y avait probablement une route que je n'avais point atteinte de cette manière. Oui, la dalle, j'ai fait tomber la dalle avec le levier. Ça veut dire que ce chemin, je dirais pas, est sacré, mais. Requin, non, mais en même temps, je comprends. Bon, comme vous êtes fidèle à me suivre, vous êtes saoulé de la surdose de Lara Croft que j'ai fait le week-end dernier, où j'avais fait tout le lundi. D'accord. Eh ben, c'est bien, ça varie de plaisir. On va faire multijeu. Les multijeux.
Moi je vous dis, ça fait que des heureux. Oh non! Non! Il y a un vilain qui poursuit Lara Croft. C'est horrible. S'il monte, je prends le fusil à pépon. D'ailleurs, elle est. Je peux faire un petit soin, dis donc. Elle était pas au top de sa forme, la malheureuse. C'est mon pouvoir de persuasion, nous dit Funfan. Effectivement, il m'avoue vaincu. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah, il me suit le sagouin. Non, mais je vais me faire. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Oh, un boulet. Oui, ce plan de caméra. Et là, Lara Croft nous fait coucou. Non, merde, j'ai. Ah! J'ai fait une bêtise, non, mon Dieu. Voilà, ça m'apprendra à faire le mariole. Bien fait pour ma tronche. Allez, on y retourne. Aïe, aïe, aïe. Et puis je me retrouvais nez à nez avec l'autre clampin qui essaye de me sabrer. Ah, poisson. Un filet commun. Toujours olive. Yeah. Qui est devenu une aficionados de la pêche. En eau, pas trop trouble, j'espère. Oui. Oh, c'est chaud. Je veux voir Lara Croft parce que. Non, je veux plus voir Lara Croft parce qu'elle veut jamais être en maillot de bain chez le sage. Oui, bien sûr. Ding, 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 ding. Encore que, on l'a pas vu en maillot brièvement dans le générique du 3. Il y avait le défilé des images sexy là. Ding, 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 ding. Non, moi franchement, je l'aimais bien dans sa moumoute en Antarctique. Et je l'aimais bien aussi dans sa tenue Nevada. Je trouve que ça lui allait vachement bien. Ah non, il y a encore un mec au-dessus. Non, mais non, mais. Je croyais qu'il était en dessous avec l'ombre. Mais non, c'est logique. Il était au-dessus de moi. Oui, évidemment, il cherche à me tomber dessus. Oh, cette scène de fou. Il va mourir, oui. Non, là. Oui, là. Oh, oh les coriaces, toi. Voilà. Putain, mais la scène, elle est hallucinante. Merdoum. Putain, le mec, il peut se laisser tomber sur Lara avec la lame vers le bas. Vous imaginez le meurtre, l'horreur. Bam, 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 bam. Mais le coup de voir Lara Croft dans sa tenue d'Ève, il y a évidemment des malins et des coquins qui sont amusés à. Alors évidemment, c'est du officieux, obligatoirement. Dès le premier d'ailleurs, même quand elle est ultra polygonée. Je crois qu'il y a moyen de bidouiller les fichiers du jeu pour la mettre dans le plus sympa pareil, comme on dit. Ah là là, c'est malin ça. C'est malin. Non, j'ai refait la même erreur. Oh, attends. Ah oui, non. Non, 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 ça va pas mon truc. Mais non, c'est bizarre. À l'époque, elle faisait une pub qui passait à la télé pour une voiture et je ne sais plus quoi. Oui, ça avait été racheté par les Espagnols. Ça avait été racheté par Seat. C'était la promotion de la Seat Ibiza. Tout en jaune là. Putain, quand il fait ça, le mec, c'est que je peux pas le. La vache, comment qu'il a tenté de sabrer Lara. La violence. Non, ils sont forts, les Mickey. Ils sont vraiment forts.
Alors, je vous avouerai que la grande salle là, j'ai pas tout pigé. Oh! Ça se refuse pas un cadeau pareil. Une grande trousse de soins, dis donc. D'ailleurs, je vais en utiliser une petite pour fêter ça. Elle était en maillot de bain. Pour la pub, je me souviens plus. Je me souviens de la bagnole, mais pas de la. Sérieusement. Mais il y a même eu une tentative infructueuse de faire chanter Lara, je sais plus quelle chanteuse, anonymisée en fait, se faisait passer pour Lara Croft, et évidemment le CD s'est pas vendu, ou à très peu d'exemplaires. Là c'était abusé quand même de faire de Lara Croft une chanteuse. Je vous avouerai que moi j'ai jamais écouté l'album, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que ça m'attire pas. L'idée qu'une pieuse de tombe se mette à la chanson, c'est. Voilà quoi. Mais on dirait que c'est une porte. Ah, c'est des Égyptiens. Ils sont fortiches quand même. Ouais, non, il n'y a rien à faire. Non, 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 mais c'est. Ça a mérité d'être intrigant. Non, non, mais il faut que je retourne dans le. Dans la partie supérieure du bins là, et je retourne là où j'ai fait tomber la dalle parce que y a que le sage qui se souvient de la voiture dans la pub. Oui, c'est ça qui est dingue. J'ai oublié la tenue de Lara Croft et j'ai retenu que la bagnole. Pitié, ne cherchez pas d'explication. Je ne suis pas mécanophile. Mon Dieu, oh là là, n'importe quoi. Bref, comment retourner le mécanisme de mémorisation? C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire, oubliez. Allons bon. J'en perds la logique du lieu. Parce qu'en fait, j'ai repris de la hauteur, mais pas là où il fallait. Non, c'est là. Mais oui, c'est là d'où je viens. C'est la serrure de la porte. Ouais, non, mais c'est un sacré lieu ici. C'est bien pensé. Y a pas de doute. C'est très, très bien pensé. Là, je peux pas y aller. C'est trop pentu. La bonne blague. Les bonnes blagues. Oui, tu peux pas rejoindre le. Bah oui, je peux pas rejoindre le plafond et puis m'accrocher. Bah non, ça se tient pas. Elle peut pas. Hop, non, elle peut pas. C'est de la triche. C'est de la triche. Il faut qu'elle passe par là. Merde, j'ai pas vu. Oui, bah oui, il voulait que je joue à Hérétique. Ouais, je me fais 10 minutes encore de. Avec Clara, et puis promis, on passe à Hérétique. Hérétique! Allez, go! Ce serait bien que je sauvegarde sur la suite, si je puis dire. Que je reste plus bloqué, au moins quand je reprendrai la semaine prochaine. Que j'ai pas à faire chauffer façon diesel mon cerveau. Et prendre 3 heures à me redire: ah oui, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que j'en serais capable, évidemment. Oui, je sais que tu es ravi d'annoncer les résultats, mon cher Fun Fan. Merci à toi. Ah, j'ai pas pris la bonne sortie. Ah, c'est pas vrai, mais je suis mauvais. Oh, que je suis mauvais. C'était l'autre plus loin. Sniff. Donc, on y retourne. Merci de faire fonctionner la démocratie. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. Puis là, pour le coup, là, je vais pas hurler sur. Enfin, hurler. Cracher sur. Twitch. Mais l'outil là est bien pratique. Le coup du sondage. Excusez-moi du peu, mais il est bon de sonder sa communauté régulièrement, je trouve. C'est une très bonne chose.
Mais je suis débile, moi, ou quoi? Mais... J'ai... Je reste pantois, là. Mais... J'étais passé par où? Excusez-moi, mais là, je m'en vexerais, là. J'ai l'impression de devenir un débile profond. J'avais tout juste tout à l'heure, et maintenant, je fais n'importe quoi. Bah, il était où, le chemin? Attendez, je pige plus là. Comme moi, dans le sondage SimCity 3000 qui a remporté contre le Gartic Phone, je m'y attendais pas. Ah ouais, bah ouais, comme quoi. Hein. F oui. Twing, 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 twing. Mais elle ira pas plus loin, la malheureuse. Il n'y a rien d'autre. Bon, finalement, on va passer effectivement à Hérétique. Je goups. Ouh, que je me sens mauvais là, d'un seul coup à jouer. J'arrive, je suis même plus fichu de retrouver le chemin de. Bref. Tiens, hop, vous avez gagné. Ah oui, alors. Je vais exhiber fièrement. Attendez, je me rehausse. Mon t-shirt. Je ne sais pas si certains connaissent. Oula, attendez, faut que je tende bien le. Les jeux vidéo ont ruiné ma vie. Digui, digui, digui. Heureusement, il me reste deux. J'adore ce t-shirt. Et j'en ai un autre du même genre, je vous le montrerai à l'occasion. Mais il y a des déclinaisons célèbres. Il y a la déclinaison casquette aussi. Mais oh, je pense que vous connaissez. Je pense que vous connaissez. Oui, il me rappelle qu'il y a une mise à jour de Steam à faire. Oui, ben c'est pas maintenant que je vais la faire, puisqu'on va jouer à. Hérétique! Comment je fais d'ailleurs pour quitter proprement Tomb Raider? Non, il faut faire Alt F4. Bon, bah ben, voilà. Au moins c'est fait. Alors, Hérétique 1. Je vais préciser qu'on va faire le chapitre 4. Yep. Yippie yippou, je vais déclarer hérétique dans Twitch. Boing. Non, c'est pas la bonne interface. Je fais des bêtises. Titi. Boing. Boing. Ah bah, Hérétique 2. Je tape Hérétique 1, le premier choix qu'il me propose, c'est Hérétique 2. Ouais, bah c'est Twitch qui est devenu complètement hérétique, oui. N'importe quoi. Oui, bah chapitre 4. Alors, déclarons ça pour Toach. Ouh, Twitch qui est en train de me les briser. Je peux même pas valider mon truc. Mais c'est nul. Oh là 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 là. Il fallait que je sorte du plein écran du navigateur pour avoir accès à une petite ligne de pixels mauve qui correspond au bouton validation. Soupir. Bon, normalement, je suis dans les clous, là, on est d'accord, j'ai changé de catégorie. Maintenant, il va falloir que je mette le jeu. Comment ça, Edge Club? Quoi? Golf Around. Ah! Il y a Edge Club qui m'a trouvé un jeu de golf. Attendez, pardon, je vais répondre rapidement. Ok, merci. Je regarderai ça ce soir. Je regarderai ça ce soir, mon cher Edge. Golf Around. Ah, je connais pas du tout. Il est malin, cet Edge. Il est malin. Oh là là. Et c'est bien. Concentration. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ma prise en compte de changement de catégorie. C'est très bien. C'est très bien. L'appareil, je vais coller Hérétique. Hérétique. Shadow of the Sh
Serpent Riders. Alors, dans l'ombre du chevaucheur de serpent, merci d'ailleurs, un fun fan. Tu m'auras permis de jouer les prolongations en tuant le chevaucheur de serpent, le grand antagoniste de ce scénario-là, de cet opus, puisque j'étais parvenu à trucider le chevaucheur de serpent la dernière fois, là, où au lieu de prendre l'antenne à 21h, je t'ai rendu à 21h30, puisque le duel était complètement fou et avait duré énormément, bien plus que je ne pensais. Alors attendez, il faut que je reprenne mes repères parce que je ne sais plus du tout. Je pense pouvoir vous faire sans être. Oh, je sais plus. Oh, comment je vous diffuse hérétique? Je faisais comment? Nom d'une pipe. Le nom d'une pipe en bois. Parce que là j'ai un plein écran, mais c'est pas forcément la bonne solution. C'est pas forcément la bonne solution. Oh, je sais jamais, en fonction des jeux, je suis désolé, à chaque fois il faut que je refasse par tâtonnement. Aïe 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 aïe. À moins que je. Non, j'irai la capture d'écran. Ouais, en plein écran. Mais je jouais pas en fenêtré, ça m'étonne. Là, il me faut un plein écran, mais j'y crois pas trop. Ah, c'est vrai que la fenêtre est un peu petite. Alors aujourd'hui, c'est mini hérétique. Ça pique les yeux tellement que c'est petit. Ah oui, c'est vraiment très petit. Mais merde! Sérieusement, attends, si je fais le plein écran. Ouais, tu peux pas avec le. Je suis obligé de faire ça. C'est un massacre, puisque vous avez qu'un morceau de. Bam 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 badam bam. Comment j'avais fait mon affaire, mais je m'en souviens même plus. Je sais plus du tout, je suis désolé, c'est une catastrophe. Comment j'avais fait? Laissez-moi 5 minutes, hein, s'il vous plaît. Ça va revenir, mais. Parce que je me souviens qu'on voyait Hérétique chapitre machin sur mes ralentis. J'ai quelques clips d'ailleurs dans la compilation qui la. À mon avis, la prochaine compilation elle arrive début juillet. Hein, parce que j'ai déjà presque 40 minutes de clip, un truc de fou. Je suis proche de l'heure là déjà, je suis aux deux tiers. Pour votre information. Capture de jeu? Non, j'y crois pas. Comment je faisais? Il acceptait la capture de jeu? Oh la vache, c'est plutôt space. Ah, peut-être bien. Ok, c'est bien, vous avez rien dit dans le chat. Parce que je vous cache pas que je me suis dissocié du chat le temps de. Alors là, je comprends pas parce que j'ai pas. Dans le retour, vous voyez le crâne hérétique là, avec le générique? Ou vous voyez mon arrière-plan sage de Nancy avec mon mail? Parce que j'ai un retour qui me semble figé. J'ai l'impression que vous voyez ma tronche avec mon mail. Je me trompe? Pourquoi il capte pas le jeu? Parce que
Arrière-plan. Ok, merci, 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 merci à vous deux. Donc, j'ai merdé ma technique. Non, mais c'est, j'ai l'air idiot, hein. Je me souviens plus comment je faisais il y a 15 jours. C'est bizarre parce que j'ai souvenir d'avoir joué en fenêtré, mais pas en si petit. Alors qu'en plein écran. Ou alors, exceptionnellement. Ah, attendez voir. Hé, vous savez quoi? Attendez, je vais me faire une copie de la scène Minecraft en 16 neuvième et je vais très rapidement l'adapter pour Hérétique en 16 neuvième. Je pense que c'est le bon plan. Bougez pas. Vous voyez, bon là forcément c'est noir. À la place on va mettre Hérétique. Ah c'est pas con. Je veux dupliquer cette scène les gars. Ah ouais. En plus j'ai pas de plan H. Alors je vais faire plan H comme Hérétique. Allez hop. Hérétique ou Hexen, entre parenthèses 16 neuvième. Allez hop, innovons, il faut dans la vie, zou. Faisons ça. Faisons un rêve. Oh. Yes. Minecraft forcément. Ici va être remplacé par Hérétique. Hérétique. Oui. Fouille, 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 fouille. Titre hérétique. Pourquoi il m'a tout surligné? Veuillez excuser l'interruption de votre programme. Vous avez une programmation à chaud du jeu. Là, je vous cache pas que ça me plaît bien. Et je vais faire. Non, pas capture de fenêtre, les gars. Je vais faire capture d'écran. Je vais faire capture d'écran. Donc la capture de fenêtre, je la vire. Ouais, et je la remplace par le plein écran. Capture d'écran. Voilà. La 4, si tu veux, je m'en moque que ce soit là. Ouais. Ouais. Que tu mets tout en bas. Donc les éléments graphiques se recomposent sous vos yeux ébahis. Et je bam. Et là, si je fais pas le nigo, vous devrez avoir quelque chose de beau. C'est beau la technique quand ça marche. Allez! Magie, magie! Dis-moi que ça fonctionne aujourd'hui. Hey! Oh, vous avez un truc en réduit, j'ai l'impression. Non! Mais non, mais non! Mais moi je l'ai en plein écran, pourquoi pas vous? Mais non! Mais c'est horrible! Attendez, je vois que vous avez l'extrême droite au niveau de la tranche du cœur. Ce que je viens de dire ne veut rien dire. Ce qui correspond, parce que j'ai qu'un fragment de mon retour, puisque c'est pas la bonne résolution. Ah non, mais c'est un massacre, ah ouais, non, mais ça va pas mon truc. Ah, oh, mais comment je faisais? Mais c'est pas possible. Donc j'ai une fausse bonne idée. Je vous mets de la musique en attendant parce que là je culpabilise de ma nullerie. Attendez. J'ai souvenir que j'avais le plan A. Je vois l'en-tête. Et je faisais capture d'écran direct. Mais le cadrage est dégueulasse. Il faut que je... Attendez. Il faut que je repositionne ma fenêtre, moi. Capture d'écran. Il faut que je fasse ça, en fait. Où ça? Non. Non, non, vu la résolution, ça doit être ça. Et là, c'est bon. Merde, je vais plus voir mon chat. Au moins, je verrai mon retour. Pardon de vous faire fusiller les yeux, mais... Ah! Donc, j'ai bien le hérétique, la moitié du crâne, c'est au niveau de A et de P dans chapitre. Ce qui voudrait dire que, ouais, là, j'ai un truc correct. D'accord. D'accord. Alors, je mets mon chat et on y croit, je lance.
Si, Christella, tu as parfaitement raison. Sauf que l'idiot que je suis ne s'en est pas rappelé et le temps que je percute, bah voilà. Ça y est, là on devrait avoir des conditions de jeu optimales, excusez-moi. Ah, on aura passé. Ouais, un gros quart d'heure à mon avis, enfin 10 minutes au moins à se battre avec ça, je suis navré. Allez, on se lance. Chapitre 5, l'ossuaire. Non, je faisais en normal, et oh. Je luttais en normal. Allez, c'est parti. Quoi? Catafalque. Ouais. Bon, allez, là, je vais mettre des titres génériques. Hein. Hop là. C'est parti, mon kiki. Merde, j'ai déjà plus de munitions. Oh non, mais c'est un cauchemar, j'ai déjà plus de munitions. Oh là là. Alors je rappelle que les chapitres 4 et 5 sont des chapitres bonus. À la base, c'était 3 chapitres, le premier opus d'Hérétique. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir du bonus. Ça fait plaisir. D'entrée de jeu, je suis déjà à poil. Alors là, je fais pas de sondage, mais éventuellement, vous me dites rapidement dans le chat. Oui, pour garder la musique libre en même temps, et non, si vous voulez que je coupe la musique libre par-dessus le jeu. Oui, pour garder la musique libre en même temps, non, pour couper la. Je suis mort bêtement. Chargé, allez. J'apprends les bons réflexes. Et voilà, puis là, je me fais acculer et je me fais bang-banger par les gargouilles. Ni pour la musique si le volume ne change pas. D'accord. Non, je touche pas au volume. Oh là 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 là. Mais je suis quasiment mort par les gargouilles. Non mais vous êtes sérieux les gens? L'épisode précédent, j'ai eu un duel épique où j'ai trucidé le grand Manitou. Et là, c'est une bande de petites gargouilles qui vont me dépecer d'elles seules. Mais non, mais non, mais non, mais il n'y a plus de logique. C'est un scandale. Ah, je l'aurai cette clé bleue un jour, je l'aurai. Allez, vas-y, crash. Je veux des carreaux d'arbalète. Au moins que j'ai des munitions. Que j'ai des munitions. Ouh, la sacoche me tend les bras. Ouh, que la sacoche me plaît. Un jour, j'aurai la sacoche. Il me faut la clé d'accès jaune. Ah, merde! Évidemment, je suis tombé du truc. Oh non! Mais non, mais pas le premier niveau! Mais vous êtes pas sérieux, les gens! Mais pas de boss au premier niveau! Non, mais ça va pas, non? Je suis quasiment à poil là, j'ai quasiment rien dans mon escarcelle. Non mais c'est abusé. Alors j'ai plus le nom du héros mais j'incarne un elfe. Mais non mais c'est abusé. Non mais je vais l'ignorer le boss. Je suis pas en mesure de lutter contre le boss. Enfin pas maintenant du moins. N'importe quoi.
Oh, bah c'est pas très gentil tout ça. Ce comité d'accueil. Oh, attends, j'ai vu qu'il y avait des gargouilles. Mais oui, allez, tombez-moi dessus. Là. Mais non, mais j'ai déjà plus de. Non. Ah. Ah, mais j'ai plus de carreaux d'arbalète en fait. Génial, il me reste 2% de vie, tout va bien. Je suis désabusé. Comment vais-je faire pour m'en sortir? Oh là là là. Ils ont de l'humour. Oh oui, ils ont beaucoup d'humour. Oh là 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 là. Je sens que ces chapitres 4 et 5 vont être ceux du masochisme. Vous ne m'aurez jamais autant vu faire de jeux de sauvegarde chargement que maintenant. Je la sens pas. Bon, j'avais ramassé une fiole de. Bah voilà, je l'utilise déjà, bah oui, forcément. Je suis tellement faiblard là pour le coup. Comment veux-tu que. Non mais par toi, je me barre d'ici, au secours. Et je suis retombé dans le truc, décidément je tiens pas sur les petits interstices là. C'est la misère. Oh. Mais chez la mort qui t'a assassiné, Mathias. C'est la mort qui t'a assassiné. Ah, mais non, mais oh là là. Mais non, mais c'est la mort qui m'aura jusqu'à la fin, merdasse, excusez-moi du peu, mais c'est ce que j'ai envie de chanter, là. Mais non, oh là là là, mais je suis maudit, oui, 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 oui. Mais comment voulez-vous que j'arrive à m'en sortir? Oi, 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 oi. Ah, cet artefact de l'or. Peut faire de belles choses. Oh là là, mais le Minotaure il m'a cueilli quoi. L'autre là, monsieur en slip là, qui exhibe fièrement ses muscles et ses cornes. C'est une honte. J'aurais dû boire la potion. Boire la potion avec émotion. Parce que c'est ça qui est bon. Alors. Tant pis, je les utilise tout de suite, au moins elles sont pas perdues. C'est. What? Oh, j'ai fait un truc, je savais même pas que je pouvais faire ça, dis donc. Oh, alors je l'ai fait par inadvertance. Wouah! Eh bien. Lui forcément il va bah, il va charger. Oh, yo. Comment voulez-vous que je me débarrasse de. La 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 la. J'ai mal reculé. Sniff. Mais non, mais
ils sont trop nombreux là. Oh là là là, je me fais forcément allumer. Ah bah avec la fiole là je suis à 100%. Attendez. Je vais sauvegarder en étant à 100% parce que... Au moins ça va me donner de l'espoir de m'en sortir un peu. Bon évidemment c'est un mur inamovible. Merdoum, ce niveau de la mort. Oh là là. J'ai pas compris. Ah, je comprends mieux. Oh là 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 là, mais je me fais démonter. Oh. Bon, au moins j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai pas accès à la clé. Mais non, mais c'est dégueulasse, mais j'ai rien. Mais l'autre il va me buter forcément. C'est pas comme s'ils étaient deux là, les hommes serpents à lunettes là. La sornette, je sais plus comment on dit. Merde. Oh là là. Voilà, là j'ai chopé des 20 carreaux d'arbalète. Mais je suis pas certain que ça me suffise face au vilain. Bon, j'ai la porte que je peux ouvrir derrière moi. Évidemment, ils sont pas idiots. Ils vont pas dans le piège. Ah bah oui, ils sont pas idiots. Ah si, ils sont idiots. Ah! Ah si. Ils rentrent dans le truc qui coulisse. Vas-y, ça fait squish. Merde. Oh. Je me laisse surprendre par leur tir. Et je suis complètement exposé comme un gros niveau. Non. Je savais que le truc allait redescendre. Voilà. Je m'en veux de ma piètre performance une fois de plus, mais j'avance. Je progresse un peu. Là, j'avais rien au début. Je me sens mise à nu dans le sens où j'ai vraiment que puic dans l'inventaire, quoi. Oh là là. Non, et puis on est d'accord, j'ai pas les gants. Oui, mamie. J'ai pas les gants de l'écromancien. Donc je peux pas combiner le bouquin avec. Ouais. Bon, derrière cette salle maudite là, il y a quoi? Quelques gargouilles, ça va encore. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Allons bon. Ah c'est des déchiqueteurs. On devrait les appeler comme ça, les déchiqueteurs. Mais... T'as pilote qui m'a ouvert la porte alors que j'ai rien demandé. Non, elles vont me buter, les vilaines gargouilles. Non, vilaine gargouille, non. Non, puis je peux pas faire face à un déchiqueteur en ayant juste un bâton, là. Je suis pas un maître des arts martiaux, là, ça va pas le faire. Je suis pas comme les marioles de Tomb Raider, là, je peux pas. Je fais pas le poids. C'est bizarre, habituellement il y a un truc qui coulisse quand on appuie sur ces symboles. C'est honteux, ça ne le fait pas ici. Je sens que ça va être également le chapitre de la radinerie. Ce niveau qui ne donne rien, c'est scandaleux.
Mais non, mais ta clé verte, je l'ai pas. Et voilà. Eh oui, je me suis fait dépecer, vous pensez bien. Bah alors là, je suis imparable. Une attaque pareille. C'est ça, la radinerie. Bien, Christella, bien. Oh, mais ils sont redoutables. J'ai été haché menu façon Boucher là. Et oh, faut arrêter. Ce carnage. Oh, la violence. Allez, bande de trolls, passez dans le compresseur là. Chacun son tour, surtout ne vous bousculez pas. C'est ça. Allez, hop, il y en a un qui tombait dedans, très bien. Suivant. Ah, il est malin lui. Le plaisir de la. Oh, il est bugueux. Jamais 203, il y en a plus, il y en a encore. Où lui il met la misère? Où lui il met la misère? Je me retrouve encore à 2 points de vie. Non. Ah oui, il me reste quelques fioles de. Quand même. Oh non, j'en peux plus là. Eh, sérieux, j'ai pas souvenir. J'en bavais pas autant hein, au début des précédents chapitres. C'est la misère là. Ah, le jeu il est devenu violent, méchant. Et voilà. Oh, la honte absolue. Le plus petit ennemi du jeu qui est la gargouille. Tiens, j'avais oublié que j'avais un loustic en haut qui est en train de s'exciter tout seul là. Il est en train de nous danser la nouba. Le solitaire esclave. Nouba. Je crois que j'ai fait tomber la clé là-bas. Qui m'est devenue accessible. C'est pas la bonne pièce. J'ai l'air débile. Oui, c'est en face. Ah non. Alors j'ai actionné un truc, mais je sais. Non mais elles vont m'avoir. Non, je retourne auprès du Minotaur. C'est une hérésie. Digi-digi-ding. Si je fonce, que je déclenche ça, évidemment, elle me déboîte. Il me déboîte. Si t'es juste, elle dit qu'il est de John Carmack. Elle me déboîte. Avec leurs ailes, leurs griffes, elles me rendent pas trac. Yeah. Allez, le tube de l'été, je voulais le faire. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais c'est pas autorisé. Il y a trop peu de munitions. Donnez-moi, je sais pas, 100 munitions et je renverse la situation. Non, mais là, franchement, ça devient une souffrance. J'arrive pas à progresser, c'est une horreur. Allez, oubliez-moi les gargouilles! Laissez-moi appuyer sur le bouton et me barrer! Eh oui, bon, bah au moins j'apprends que les gargouilles savent ouvrir les portes. Allez, hein, allez, 2 coups de griffe, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'ai ouvert comme truc? Je ne sais pas moi-même. Ah, bah non. Je me disais, tiens, j'ai ouvert une nouvelle voie, mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Il est. Ah, je me disais, j'ai cru qu'on avait égaré un Minotaure, dis. Ah, j'ai peut-être surélevé le truc. Merci de m'avoir laissé le temps de vérifier ma théorie.
lumière de... Oh! Ah! C'est là que ça a ouvert. Sacre bleu! Oui, j'ai des munitions! Mais vous êtes trop nombreux! C'est scandaleux! Oh là 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 là! Dakodak! Mais je vais vérifier là, ça n'a rien bougé? Ah non, ça n'a rien changé! Non, non, rien n'a changé! Tu t'as continué, ouais, ouais! Non, non, rien a changé. Merde, je suis tombé des escaliers. Oh, ça fait longtemps que... Bah tiens, je croyais que les mages pouvaient plus... Mais, oh non, non, non. Que parce que l'autre était mort et c'était le prince des mages là. Ah. Que signifie? Lequel des deux mages va survivre? S'il y a un survivant. Allez, je bois un coup. On voit qu'ils sont coriaces, hein. Oh la vache! Parce que leurs attaques là avec leur boule d'énergie mauve, ça fait pas du bien. Mais il faut les saucer ceux-là avant qu'ils meurent. Limite si je les considère pas comme des mini-boss. Vraiment limite. Oh! C'est chiant les détonations de bouteilles en plastoc. Faut pas être cardiaque non plus. Bref, excusez-moi. Merci. Merci de cette humiliation. On peut le dire, c'en est une. L'autre, elle passe, elle me fout une tarte dans la tronche avec ses griffes et hop, je meurs. Mais non, mais l'autre qui me barre la route. Oh, oh, oh. Non, laissez-moi passer. Deux points de vie, non mais non mais, non, mais vas-y, je suis mort. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas l'œuf qui va me permettre de me défendre. C'est pas l'œuf qui va me permettre de... Mais si je fais ça, je les ai transformés en poules, c'est drôle. C'est aussi drôle que... Ridicule. Attends, excuse-moi. Voilà pourquoi je prends un verre et pas une bouteille. Parce que si la bouteille, je fais un bon en l'air. Ouais, bah ouais, c'est une bouteille là, quoi. Encore que j'ai envie de te dire, je suis habitué, mais c'est vrai que c'est pénible. Surtout que j'aime pas les hautes fréquences. J'aime pas les aigus. Donc, voilà. Ça c'est dit. Non mais j'étais hors combat là. Bon, concentration, je vais y arriver. Tiens, je vais essayer avec le bâton du démon électrisé. Je sais pas ce que ça vaut. Allez. Ça vaut rien. Franchement, je préfère encore les transformer en poules. Ça rapporte mieux. Bah merde, j'ai lancé les... J'ai merdé. Allez hop, ça c'est fait. Mais c'est impossible. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ce non-jeu. Ben, il faudrait que j'aligne les trois en même temps et puis que je les transforme en poule pour être pénal. Voilà. Ah, puis même pas les. Mais non, mais. Ah, elles me picorent en plus. En me picorant, elles m'ont buté. Non, mais. De transformer en poule les ennemis, c'est quand ils sont ridicules. Non mais non, non, je peux pas. C'est impossible. Je vais essayer de faire quelque chose dans l'autre escalier, mais j'y crois pas. Mais comment je vais m'en sortir?
En plus, il y a deux boutons dans cette salle. Waouh! Alors, j'élabore une stratégie, mais ça va être la douleur. Il faut que je chope impérativement les 10 petites munitions là. Je recule, je me charge des fichus gargouilles avec mes 10 petites munitions de misère. Après j'attirerai le hachoir sur patte ici pour qu'il se fasse viander. Oh bah tiens, m'attendez pas à ce que la gargouille se fasse viander comme une imbécile. Oh c'est cool ça. J'ai presque pas fait usage de mes... Ah oh, ça me plaît ça. Ouais ouais, je vais me servir du pressoir là, on va l'appeler comme ça. Coucou, viens me voir, l'homme hachoir là. Allez, passe dans le hachoir là, vas-y. Voilà, fais-toi plaisir, prends ton temps, déguste. Merde, c'est moi qui y vais, c'est drôle. Non, 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 mais il n'y a que comme ça que je vais pouvoir vous avoir, là, les moustiques. Allez, viens. Allez, venez, Mila. Allez, venez, Hachoir, goûtez de mon pressoir. Ah non! Elle est venue à Hachoir, tête de mon pressoir. Oui! Oui, déguste. Merde. Ah! Il est beau comme ça. Tiens, il présente pas mal le monstre. Bon, on va y arriver. Merde. Je ne voyais pas se déplacer aussi rapidement. C'est ridicule. Ridicule. Merci. Il me reste un point de vie. Il a fini en crêpe. J'ai envie de dire courage pour que je tienne encore 3 quarts d'heure. Aïe aïe aïe. Quoi? Oh mais l'autre qui me met le grappin dessus, tout ça parce que je suis passé devant la... Non pas ça elle, non. Tout ça parce que je suis passé devant sa pièce. Mais non. Il faut que j'aille là. Oh, ce serait drôle qu'il passe dans le hachoir, les mages. J'y crois pas, mais ce serait peut-être de toute façon... Les mages, il faudrait qu'ils y passent 4 fois en dessous parce qu'ils ont tellement de points de vie que. Non, mais ils sont en lévitation, ils vont pas se faire avoir, si. Ah, si. Ah, je les voyais pas débiles à ce point. Oh. Subterfuge. Subterfuge qui a l'air de fonctionner. C'est pas pour me déplaire, mais non. Mais non, il en restait un. Oh, je me disais que ma technique était trop bien. Mmh.
C'est ça. Allez, t'as les rats là aujourd'hui. Non! Il s'est vengé. Il m'a trucidé à distance. Quelle horreur. Oups. Ah! J'ai joué mal! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a FunFan qui fait un résumé. Oyez, oyez. Ridicule. Cette mort-là est d'un ridicule. J'ai glissé, chef. Y a pas. Ah merde. J'ai fait un truc, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est vrai que l'œuf contre les. J'ai réduit en poule, c'est drôle. Non, alors. Ouais, il faut que les deux mages me fassent face. Et je les réduis en poule. Excellente idée. Mais il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux parce que ça me plaît énormément. Merde. Je crois que j'ai merdé mon tir. Merde! Oh là là! L'horreur! Mais je vis un cauchemar! Trop tard. Trop tard! Voilà. Faut pas que je tombe comme ça. J'ai pas le droit de chuter de l'escalier. Sinon la sanction est immédiate. Alors, je me suis encastré, génial. Voilà. Mais non! Ne me dis pas que les mages m'ont. Ah, j'allais dire les mages m'ont pas suivi. Alors je sauvegarde là parce que j'en ai marre. Que je progresse vraiment, même si c'est mètre par mètre, mais. Allez! Oui, je les ai transformés en poules! Je les ai transformés en poules et sont écrasés. Ça me plaît énormément. C'est excellent. Voilà, je me sens mieux. Alors il y a encore un mage à la CON. Non? Ah oui. Oui. Il faut que je me débarrasse de ce mage. Je sais pas comment. Le voilà. Bon, on va y arriver. Espoir. On s'accroche, ne serait-ce qu'à son slip, si je puis dire. Ouh! Il a dégusté trois carreaux d'arbalète simultanément. Ouh, qu'il est fâché. J'ai le droit de subir son coup. Je l'ai buté! Oui! La voie est libre! C'est la lave. Ça, c'était pour le délire. La voie est libre. Ouh là là. Enfin du nouveau. Enfin une partie de niveau que je ne connais pas. Et oui, je vais tout de suite faire usage de la fiole parce que là, j'en ai marre. Voilà. Ok. Ça va plaire à Bastos. Ce sont des sabliers. J'ai pas compris l'intérêt de la manœuvre. Bon, faut que j'aille de l'autre côté de toute façon. Mais là non plus, c'est pas gérable quoi. Attends, j'ai quoi en.
Oh là 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 là, jouer avec le temps. Non, ça m'aide en rien. L'artefact ne m'aide absolument en rien. C'est triste à constater, mais... La suite est forcément là. Aïe 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 aïe. Ouais, et puis dans les armes, j'en ai pas 50. Hein. J'en ai pas 50. Allez, je m'amuse à me sauvegarder un quatrième emplacement. Comment veux-tu que... Non, mais je peux pas. Je peux pas lutter là. Dans un espace aussi réduit, là, il me déboîte. Merde, j'ai pas chargé la bonne. Pardon. Je sais qu'il y a un bouton, je sais plus. Ouais bah là, ouais bah oui, forcément. Ils m'attendent au bon endroit, sinon ce serait pas drôle. Ouah, se faire prendre en triangulaire. C'est la mort. Mais c'est la mort, putain. Mais oui, mais oui, mais oui, mais il est bien placé l'ennemi. Je peux pas sauter, appuyer sur le bouton puisque l'ennemi me bloque le passage. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Là. Oh là là. Le niveau. Mais le niveau qui va me faire pleurer du sang. Si seulement j'avais les gants de nécromancien, si seulement. Ou alors si je fais usage de ça quand j'ai le. Bah oui, mon attaque est plus puissante, mais voilà le résultat quoi. Bon, je me fais déboîter. Ou alors, comme ça. Ça suffit même pas. Ça suffit même pas! Oh là là! Mais j'ai perdu de la vie en plus! Oh! C'est pas fini! Bah, heureusement que le bouquin me permet de momentanément être en mode fou furieux, quoi. Oh! Là, il y a pas de... Non, il y a rien. C'est stylé, les escaliers. Ah ! Les gants de nécromancie. Elle est bonne, celle-là. Au moment où le bouquin s'épuise. C'est très drôle. Ou alors, faut que j'aille très très vite. Mais... Oui, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Je suis en enfer, il y a les foutus mages. Non, c'est pas autorisé. Non, j'y arriverai pas, mais c'est pas possible. Non, mais quelle horreur. Ce scénario d'épouvante. On recommence. Si je loupe la première marche, c'est même pas la peine. Allez, 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 les gants, les gants, les gants, les gants, les gants, les gants. Alors, là j'ai 100% de vie. Espoir. J'ai pas tout pris.
Meilleur espoir. Oh la vache! Eh, la verticalité, il la respecte pas. Parce que j'ai fait un bond dans le vide. J'ai fait un bond dans le vide. Ça leur a pas empêché de m'exploser. Là, il y a... Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est abusé. C'est complètement abusé. Sacré fun. Mais ça t'est clippé, hein, ton résumé de bestiaire, fun fan. Mais je sais que la formule te plaît. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est pas jouable. J'ai l'impression de faire une compétition, vous savez, de joueurs acharnés en speedrun ultra hardcore. Là. C'est pas possible. Non mais j'avais 100 points de vie. Pourquoi vous m'en avez volé 95? Mais non, mais c'est pas concevable. Ah, puis là il y a le Minotaur qui va se faire une joie de m'exploser la tronche. Oh là là, mais non. La douleur. Oh. Allez, bouge. Ah, mais c'est le début. Je me souviens plus que c'était le début. Ne m'approchez pas! Non, vous n'avez pas le droit! Le mec il se la pète. Je suis un dieu! Respectez-moi! C'est un peu ça! Oh non! Non, mais ce déferlement de violence, non! C'est atroce! C'est atroce! Évidemment, l'autre il se place bien, je peux pas passer. Et voilà. Aïe. Dommage qu'il s'est fait plaisir. Devant les bestioles hachoirs, je vais pas faire non feu. Alors, oui, d'accord, j'ai gagné du pilou là, j'ai envie de dire. Mais oui, là j'ai pas la clé. C'est pas avec 8 jeux de triple arbalète que je vais m'en sortir. Mais il y a encore du monde forcément. Eh oui, j'ai beau l'agresser, ça lui empêche pas de m'exploser la tronche au passage. Le jeu de l'impossible. Voilà, non mais ça n'est pas la peine. J'irai pas plus loin. Allez, mourez. Oh, les hachoirs sur pattes qui sont un régal. Ils se délectent de moi. Oh non. Allez, mais non. Je
je fais de mon mieux. Hein. Je fais de mon mieux. Je suis dépité. Je m'acharne à essayer de passer, mais... Oh là 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 là, lui qui m'a bien saucé. Puis on est d'accord avec cette salle, il n'y a rien d'autre. Bon, il y a la plateforme là qui s'est baissée, tu me diras. Donc lui, il me barre la route, forcément, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'est pas idiot. Coucou, je suis pas là. Allez, monte, monte, monte. Mon dieu, il vient de se passer quelque chose. Non, mais non, mais non, mais je n'ai zigouillé aucun. Et j'ai le quart de ma vie. Merci Ryan. Je vais diminuer à mort le... Pardon. Je vais me permettre de t'appeler Ryan. Bonjour, bienvenue, merci, j'espère que ça va bien. Et voilà. Et le top du top de la mort, se faire exploser en finale par un boss qui est le Minotaur. Merci pour la fidélité, ça fait plaisir. Ça me donnait un peu de réconfort dans cette lutte acharnée. Oui, non, non, oui, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Laisse-moi Merci passer. Tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Ça va bien, c'est cool. Bah, ça fait plaisir à lire. Si bien. Je suis navré de la piètre qualité de ma prestation. Mais non! Mais non! Mais j'avais pas vu qu'il y avait un mage semi-translucide qui m'avait fait une bonne farce de me bloquer le passage. Nope. Mais sérieusement, il faut avoir des réflexes félins et de la chance, quoi. Sinon, tu ne passes pas. Vous ne passerez pas. On dirait la voix de Cyril 2.0 sur YouTube quand il parle d'un jeu. Je ne connais pas du tout la référence de l'artiste que tu viens de citer. J'en suis navré, mais si je peux attraper quelqu'un, pour peu qu'il ait pu t'offrir de belles heures de loisirs, j'en suis ravi et flatté. Mais il ne connaît pas. Bon, au moins, je suis sorti de cet enfer. Allez hop, sauvegarde numéro 6. Tant pis si j'ai plus qu'un tiers de ma vie. Allez, go. Je me jette dans la fosse. La fosse du Minotaure. Heureux, mon cher Twinsen, heureux. Eh ben, dis donc, je vais danser la nouba, moi, quand je vais sortir de ce niveau. Oh, ils m'ont déjà retrouvé. Oh non. Non, pas le mage. Non, le mage va me causer de grands torts. C'est marrant qu'il se fasse écraser. Ouais, bah non, il m'a allumé. La faute stratégique majeure. Non, j'étais au 1 là, les gars. Faut arrêter dans le jeu de sauvegarde. Le fait qu'il se fasse quick, ça me plaît bien. La preuve, il était en train d'exploser. Rien que le plaisir de le voir se faire éclater. Merde. Oh bah. Oh non, il m'a eu. Je pense que je peux ruser pour inciter le mage à se finir comme une crêpe. Il faut juste que je me place au bon moment, au bon endroit. Hop là. Non? Ah non. Il a survécu. Je tente, hein. Ah non.
Il est passé à côté. Ouais, non, mais là, il m'a eu. Il m'a eu parce que le truc, évidemment. Attends, je cauchemarde ou il y avait deux mages? Merde. Je viens de me faire rapticher. Oui, bah alors. J'ai fallu. Il y a deux ou quoi? Ah bah. Du coup, je l'ai tué de mes mains. Attends. Ah oui. Ah. C'est le passage en sens inverse. D'accord. Ok. D'accord. Il y a un petit bug là. En fait, les ennemis m'ont momentanément oublié. Je suis en. En haut. Comment ça en haut? Oui, merci d'avoir répondu, tu le sais, ouais, 94. J'aurais pas été capable de répondre de tête. Alors, je suis fanat, cher Ryan, de tout ce qui est jeu rétro 3D comme ça, la moteur Doom Wolfenstein 3D. J'adore ça. J'en ai acheté une tripotée là. C'est un peu une frustration de l'enfance, l'adolescence, parce que j'avais pas l'argent de poche pour me les acheter. Et je m'étais promis que, arrivé à l'âge adulte. Ah, j'avais pas vu que j'avais libéré un bouton là. Je m'étais promis qu'à l'âge adulte, je rachèterais un max de jeux comme ça. Et que je les ferais. Et là, tu vois, je découvre Hérétique. Et il y a du nouveau. Il y a du nouveau, c'est beau, ça me plaît. Oh la vache, cette obscurité. Ah ouais, je reprends des couleurs. Ah merde, mais il y a du monde. Oula. Oula. Je veux bien piller les artefacts, mais là, sans tuer qui que ce soit. On peut éviter la... Bah non, ils sont en train de m'allumer. Oh là là là, et ça y est, ça tire de tous les sens. C'est quoi ça? Ah, j'avais les griffes de dragon. Génial, je suis mort dans un truc. Faut que je regarde l'heure parce que à 45 on fait le tableau mystère. Faut pas que je zappe l'heure non plus. Je me fais trop allumer, ça va mal se terminer. Oh voilà. J'aurais même pas eu le temps de cette fois-ci de choper l'artefact. Je me suis fait exploser. Impossible. Impossible. Inouï, inouï le niveau infernal. Et puis là, oui, bah oui, j'ai pas pris la torche, tu parles. Ouais, tu m'étonnes, il faut la torche pour s'en sortir. Non. Non, oui, non, oui, non, 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 j'avais sélectionné l'arme de tir à distance. Il me faut ça, là, sans déconner, parce que... C'est horrible. Le moins d'artefacts, je le consomme tout de suite. C'est dire ma détresse. Et surtout, je chope pas la torche, histoire que je m'expose bien à l'ennemi. C'est tellement plus drôle quand je me fais allumer. Aïe 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 aïe. Alors je sauvegarde avec la torche maintenant. Allez. Là au moins déjà je vois ce que je fais. Quel peu de chance. Allons-y.
Je reprends des couleurs parce que j'ai une arme intéressante, mais... Ouais, non, mais là, 1, 2, 3 soleils, là. Surtout, ne bougez plus. Ne bougez plus que vous, là. Non, mais non, mais... Putain, non, souci. Oh là 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 là... L'inaccessible est où est-elle? Allez, monte la plateforme, mais non. Voilà. J'ai déjà pris trop cher. Ah! Ah ah! Comment qu'il m'a cueilli celui-là? Sans vergogne. Mais c'est pas possible. Je vais être contraint de sévir. Oui, oui, vas-y, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas du tout. C'est pas ce que je voulais les gants. Hein. Je comprends pas ce que me fait le jeu. J'ai les gants du nécromancien là, je les ai en main. Qu'est-ce que tu me les brises à pas vouloir me permettre d'aspirer la vie là? Non, c'est parce que j'ai... Ça y est, j'ai compris. J'ai marché sur une munition. Et c'est pour ça qu'il me refuse. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, je comprends mieux. Incroyable, inouï, absolument inouï. Merci. On est d'accord, il n'y a plus personne. Ouh! Oh punaise! Mais c'est horrible à dire parce que là, je suis vraiment à la limite, pour tout vous avouer, entre... je suis sur la bascule plaisir, frustration, agacement. Parce que la difficulté est tellement relevée que... Ça me sort par le trou de nez, là, à la limite. Pou. Je sais même plus comment j'ai fait pour... oh non, pas lui. Non, mais lui, à ma vue, il devrait s'aborder, là. C'est pas possible. Il n'y a plus de respect. J'ai perdu les trois quarts de ma vie. Oh, puis il y a l'autre en stéréo. Ouais, bah, achève-moi, parce que là, je suis désespoir. Vous remarquerez que j'ignore copieusement le boss du Minotaur. Merde, je suis tombé. Ah, je suis retombé là en plus. Ouais, c'était là que c'était pas mal. J'avais pas pris l'arme qui a son importance, faut pas se voiler la face.
magma le coup des colonnes qui se sont baissées dans la salle. Mais alors ça fait un bestiaire de fou furieux là. Ça fait un bestiaire de fou furieux. Ah oui, parce que... Ok. Avec les mages offerts en cadeau. Et un Minotaure Vlatipos. Si c'est pas beau. Ils m'ont même... Ils sont même parvenus à m'allumer dans ma course. Waouh. Non, je redescends. Non, apparemment, je peux pas. Merde. Parce que j'aurais bien voulu reprendre le passage secret. Ça m'aurait fait un point d'arrivée différent. Hop là, le Minotaure qui est là. Et je tac. Et je tac. Bon, ah bah oui, parce que j'ai la clé verte, c'est ça. Oui, en vie, ils sont pas contents. Ils arrivent pas à viser, c'est pas plus mal. Je les ai quasiment tous trucidés, j'ai plus de munitions. J'espère que je vais faire le plein sur leur dépouille là parce que... Et non, j'ai pas l'appel. Je me disais bien que... Il manquait quelqu'un à l'appel. Il est où le gredin? Où qu'il est? Il est où? Il doit être dans une des salles et il faut que je passe devant pour le provoquer. À moins que ce soit cette salle là, je ne sais plus mais... Là, j'ai appuyé sur les trucs. Bon, là, il est plus là, on sait pas pourquoi. Allez, on progresse. Et j'ai sauvegardé. Et il est la nuit. Je vérifie toujours l'heure. Dans un quart d'heure, table mystère. Les tables mystère. Je vais enfin ouvrir la porte verte. Oh, cet artefact délicieux! Cet artefact de la puissance! Savourez ma domination, vilaine gargouille! Votre temps est révolu! Et je vous laisse compléter la rime! Votre temps est révolu! Voilà! Voilà, ça me fait plaisir! Surtout après tout ce que j'en ai bavé! Ah! Ah, parlons mieux, parlons bien. Quoi? Mais pourquoi? Mais oups. Merde, le qui m'allume. Oh non! Non! Non, et deux boss! Deux boss dans le premier niveau. La liche de fer compte pour un boss. Non. Non, mais ce niveau d'acharné. C'est le niveau des acharnés, mais non. C'était le truc du milieu là. Non merde, l'autre. L'autre milieu. I will survive. I will survive. Non, I will not survive. J'ai ça, mais c'est quoi? Ah oui, non, c'est la... Oh, j'aime pas cet artefact, encore que il a son utilité, mais se téléporter en lieu sûr. Je pensais que c'était le truc qui faisait un max de dégâts à l'écran là. Ah, gagnez. J'avais oublié le mage, je m'attendais pas à ce qu'il me barre la route. C'est ça, meurs, c'est ce que tu fais de mieux, mourir. Ça parle très mal. Oh!
J'ai la carte complète du niveau. J'ai la carte complète du niveau. Et c'est ça qui est beau. C'est là. Oh, j'ai vu la liste de fer à côté de moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette salle? Oh là là. Oh là 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 là. C'est l'antre des liches de fer. Mais non, mais il y en a combien? Je rappelle une deuxième fois que cette entité appelée la liche de fer, ce crâne à quadruple corne, est un boss. 600 points de vie, je crois. Non, mais non, mais c'est l'hymen. C'est l'hymen. Non, mais là, vous comprendrez pourquoi je deviens barge. Il était où le bouton magique? J'ai oublié son emplacement systématique. La 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 li la li la lou la la. Da li la la. Da li la li lou la. Tiens, j'allais claquer la bise au Minotaur, tiens. Ah, oh, il est où le... Alors, il est où le beau gosse? Oh, bah alors. Il m'ignore. Allez, on va se faire un petit Minotaur. Alors, j'ai quoi en magasin? Comme cet idiot m'ignore, là... Allez, c'est ça, on se bat dessus. Oh bah ça marche en plus. Il m'a déboîté. J'avais pas un mage qui m'a allumé là dans le dans les cieux. Allez, encore 5 minutes de souffrance et tableau mystère. Na. Au moins j'espère que le spectacle vous plaît. Cette violence. J'aurais pas dire, mais là je l'ai touché sans faute. Oh, salopard. Ah, je peux t'esquiver. J'ai envie de la tenter parce que il m'a quasiment pas touché, je l'ai bien allumé. Donc je sais pas si sa mort va m'apporter un gros plus, mais... Je suis peut-être en train de gâcher toutes mes munitions. Merde. Ouais, dommage. Il est coriace. Il est coriace. Allez, je me ferai bien un petit Minotaur avant de quitter le jeu. Le petit Minotaur est ironique, évidemment. Quand on voit le bestiau. Non, là, je peux pas esquiver. Ah, là, c'est la mort. Oh, mais non, mais non, mais l'autre mage. Non, mais disqualification du mage. Il a pas le droit d'entrer dans l'arène, là. C'est un duel là, c'est pas autre chose. Hop là, c'est beau quand il y a ces flammes sur l'eau. Trop stylé. Yeah. Putain, quand il fait ça, non je peux pas. Oh, j'ai réussi à éviter le tir. C'est chaud mais c'est gérable. Le mage, je le sens pas du tout. Oh la vache! La vache le Minotaur, on peut le dire. Il me gave le mage là. Il me gave. Il me prive de mon duel contre le Minotaur. Non! J'ai plus de munitions! C'est pas possible!
de Meatman Minotaur. Je l'ai. Oups. Merde, je me suis. J'ai mis le pied dessus. Je m'en suis brûlé. Mais bam. Alors là, avec un point de vie, tu pars qu'une boule de feu pareille. J'ai la tête qui gicle. Aïe, dommage. J'aurais pu me servir du décor, mais ça merde. Oh, satané mage. Me prive pas de mon duel. Ne me prive pas de mon duel. Oh oui! Oui! Ding ding ding! J'ai gagné le duel. Oh oui. J'ai gagné un artefact, je sais même plus à quoi il sert. Mais ça fait plaisir. Je la garde celle-là dans la boîte. Ouais, merci pour le GG. Je suis content de quitter le jeu sur un succès du Minotaur que j'ai rempilé là. Ça fait quoi? Ah, ça me redonne plein de vie! Et, c'est jouissif. Ah, c'est jouissif. Ah oui, le retour de la pleine vie. Ah, c'est génial, il faut ça plus souvent. Ah, il me faut ça contre les liches. Non mais on va... Oh, elle est déjà là. Enfin, elles sont déjà là. Bon. Allez, on va aller tout doucement vers le tableau mystère. Et ça me permettra de vous faire la causette. Merci Christella pour les GG. Non, je vous cache pas que... Alors, je vous rassure, j'aime encore Hérétique. Mais je sens qu'on va se le faire par petite dose, là. Parce que la difficulté, la cible... Bienvenue à Bourinland. C'est la violence, quoi. C'est... Waouh, je te présente mes hommages par derrière sans vaseline et sans... Hein. C'est franchement, c'est violent. Punaise. Excusez-moi du peu. Alors... C'est moi ou ma webcam est crade? Non, c'est la lumière. C'est la lumière qui vient de côté, je crois. J'ai pas de cache. Oui, vous voyez, je mets ma main. Rien que ma main. Ça... Je vois pas ce que je mette une carte postale, là, un truc en lévitation. J'ai pas une... J'ai pas les radios. Un vieux recommandé. Oh. Ah, c'est trop lourd, le recommandé, où ça passe. Attendez. Hey! En attendant, je trichote avec l'enveloppe, mais au moins ça évite d'avoir le reflet. Je vais pas me lever pour mettre les rideaux là. Ça vaut pas le coup. On va passer un just chatting pour le tableau mystère. Pour le tableau mystère, le tableau mystère, le tableau mystère. Je vous laisse réfléchir sur le tableau mystère le temps que je le mette à l'écran. Alors, on cherchait Dingo. Alors, je sais pas si Ryan, nouveau spectateur fidélisé, encore merci à lui, est encore avec nous. Je crains que le pauvre ne se soit lassé, puisque je le vois plus dans les radars. À moins qu'il ait arrêté toute interaction avec Twitch, ça peut expliquer le comment du pourquoi, mais... Enfin bon, pour le principe, je réexplique. Vous voyez le cartouche, le numéro du tableau. Et ouais, je vais mettre Just Talking. Ouais, discussion. Oh, GU est un jeu. Du est un jeu, je savais même pas. En tapant les deux premières lettres, je viens de me laisser surprendre. Oui, donc 48 c'est le numéro du tableau et 4 c'est le nombre de jeux qu'il faut découvrir dans le dans ce photomontage, on va dire. Donc encore merci hein, Ryan pour l'acte de fidélité, ça fait toujours plaisir de voir le compteur de ceux qui aiment la chaîne croître jour après jour, du moins week-end après week-end on va dire. Et voilà, n'hésitez pas à saisir point d'exclamation TM, espace suivi de votre réponse, pour tenter de remporter des points de chaîne, mais Berga, diminutif de Bergamote. La sucrerie nancéenne, bien de ma ville.
Alors, je crois que Tunsen m'avait. Oui, Tunsen m'avait donné la bonne réponse. Alors que j'avais coupé l'antenne le week-end dernier. Donc, tant que j'ai pas encore déclaré trouver, vous pouvez encore essayer de tenter de donner la réponse. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux. Voilà, faire un copier complet. Ah oui, j'ai aussi fait. J'ai pris le temps cette semaine de compter les points de chaque mois. Je vous en reparlerai que demain. Ou peut-être tout. Bah, peut-être dans quelques minutes, on va voir en fonction des minutes qui s'écoulent. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a joué? Non. Donc, je vais déclarer ce tableau mystère comme étant terminé et toutes les bonnes propositions trouvées. Alors, je vous avais donné indice, Dingo ne serait pas le héros. Alors, j'ai mis au conditionnel pourquoi? Parce que je vous avouerai que j'ai pas fait ce jeu en soi. Donc, je sais pas si Dingo est héros ou pas, mais je ne pense pas. Car la bonne réponse que j'attendais de vous, c'est que ça correspond au jeu Panic à Mickeyville. Ou en anglais, Disney Mickey Save the Day 3D Adventure. C'est un nom à rallonge en anglais. Nous, en France, c'est plus simple. Panic à Mickeyville. Voilà. Et j'avais adoré, je vous rappelle, l'excellente vanne de Bob Morlock qui m'avait fait éclater de rire en direct. Il avait dit Dingo fait des travaux à Paris pour aider Anne Hidalgo. C'était excellent. On salue l'ami Bob Morlock d'ailleurs, au passage. Il est plein d'humour, ce garçon. C'est un régal que de l'avoir dans sa communauté et fidèle à sa chaîne. Ah là là. Bon, bah je vais attribuer encore 500 points à l'ami Twinsen pour changer. Et je vais choisir pour vous un nouveau tableau mystère. Mais ah oui mince, il me propose des icônes. Il faut que je préfixe d'un arrobase pour dire que je veux Twinsen Twitch. Panic à Nickeville. Oh, fun fan. Voilà, je suis à jour dans les scores. Alors, je vais virginiser la liste des réponses. Ah, quel tableau on n'a pas fait? Je regarde ma liste. J'ai failli, et figurez-vous que j'ai failli composer un nouveau tableau cette semaine. Et je me suis résolu à faire un peu plus de com en privé, enfin privé, sur Discord. Et à faire, bah, tenir les scores en fait, au niveau du tableau. Il s'en est fallu peu pour que je compose un nouveau tableau. Mais avec un peu de chance, la semaine qui arrive, je vais peut-être me dégager une petite heure pour m'amuser à en refaire un. Alors, oh là 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 là. Oh. Attendez voir que je remonte un peu dans. Ah, j'ai peur qu'il y en ait un qui soit trop facile. On va voir. Est-ce que je vous ai déjà proposé le 15 par le passé? J'ai pas l'impression. Dans la liste des tableaux, j'ai pas proposé le 15e. Attendez, je vais me faire un. Merdoum, c'est pas ce que je voulais faire. Fausse manip. J'ai pas vu le 15e. Je vois le 16e. Attendez, 12. Ah non, j'ai pas proposé le 15e. D'ailleurs, oui, j'allais dire mon truc est débile. Je vais mettre la date du jour. Allez, je vais vous retirer les. Tac, 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 je vais vous mettre tout de suite le nouveau tableau. Allez, c'est parti, trouvez-moi les 4 jeux. Les 4 jeux de ce tableau numéro 15. Point d'exclamation TM, suivi de votre réponse.
Mais non, mais je suis pas focus dans mon. Oh là là, je tape dans le vide. Génial, la saisie dans le vide, ça fait toujours plaisir. Ah, voilà. Boing. Alors. Ah, oh, bonjour à Jay Club. J'avais pas vu que tu t'étais manifesté dans le chat. Comment tu vas, Jay? Je crois qu'on n'a même pas échangé en privé aujourd'hui, à part la pub que tu m'as fait pour le golf là. Mais j'ai pas pris de tes nouvelles aujourd'hui. Comment tu vas, Jay? Comment qui va le Benjamin de la troupe? Qui prépare qui plus est son bac de français? D'ailleurs, tu vas pas tarder à voir les épreuves là, et oh. On est quasiment à mi-juin. Tu vas me dire que tu les as déjà passées? Ah mon Dieu. Ouais, ça va très bien. Ouais, c'est cool. Oui, bah je veux bien, merci. Bon, je suis un peu frustré par le niveau de difficulté du chapitre numéro 4 de Hérétique. J'ai pas l'impression que le tableau mystère vous inspire aujourd'hui. Je vous le remets. Bon, je vous laisse chercher. Je suis tellement habitué à ce que vous claviardez comme des fous furieux à me donner des réponses. Et puis là, vous me faites un démarrage diesel. Bah, on va dire que vous vous laissez le temps de la réflexion. Je comprends. Zoï. Eh ouais, le départ aux 24 heures du Mans a été donné il y a déjà 2 heures de cela. Oh, j'espère que la course se passe bien. Donc, concernant ma tronche, ma tronche, j'aime bien comment je dis ça. En ce qui me concerne au niveau de mon canal, je vais pas tarder là à faire relais de chaîne chez l'ami Bastos. Ah bah oui, tente Christella, il faut pas avoir peur. De toute façon, tu risques rien. Hein. Il n'y a pas des coups de fouet chez moi. Oh! Oui, Christella, oui, tu as réussi. Je t'accorde la bonne réponse. Mais tu vois, mais c'est bien, Christella. Cool. Mais oui, t'as reconnu l'icône de la bagnole endommagée sur les côtés, enfin sur les 6 points de. Mais oui, c'est ça, c'est Dash Traction Derby. Bravo. Ah, tu vois, ça me fait vachement plaisir quand tu gagnes. C'est bien. Mais oui, il faut pas avoir peur de. Nickel, bien joué. Hop. Donc, concernant ma chaîne. Oh, bien. Allez, je fais pas mon tatillon parce que la véritable réponse. D'ailleurs, je sais même plus c'est quel jeu. Ah bah, c'est forcément celui-là, je suis bête. Je fais pas mon tatillon, mais parce que comme réponse tu m'as donné, oh, j'ai 15 fenêtres, j'ai du mal à suivre. En plus tu m'as mal saisi le TM. T'as de la chance que je l'ai vu, Edge. Ah si tu l'as saisi bien, mais ah tu l'as quasiment fait en même temps que Christella. Non, pas du tout, pas du tout. Bah pourquoi ton TM n'a pas fonctionné? Ah, parce que tu l'as fait au même moment où je donnais la commande des points. C'est vicieux, ça. Ouais, tu as pas mis 3D, hein, mais je te l'accepte. Hein, je fais pas mon vilain. C'est Gex 3D, 3D, Enter the Gecko. Mais bien joué, Edge. Attends, Edge, je vais te donner tes 500 points. Hurlez pas, les gamins. Il y a des gamins qui hurlent devant chez moi. Ils sont excités. Plus excité que moi, les canaillous. Alors, tac 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 tac, bien. Bateau fun, fun fun canaillou. Mais qu'est-ce qu'il hurle le petitot? Ah, j'ai l'impression que le petitot s'est fait bobo. Oh, Bombastos, bien. Ah oui, oh c'est triste, le petit il pleure là, il s'est fait bobo. Il appelle son papa. Mais hé, hey, j'ai fenêtre fermée, je sais pas si vous entendez le petit qui hurle de douleur. C'est à croire qu'il s'est pété une jambe le gosse.
dur. Alors attends, la bonne réponse venait de Bastos. Bien joué Bastos. N'oublie pas de préparer ton direct, mon cher Bastos, puisqu'on va faire ton quiz culture. On va se retrouver avec un quiz culture chez l'ami Bastos. Attendez, cadeau. Et puis je vais finir par vous annoncer mon programme, mais je suis tellement accaparé à donner les points et à verrouiller le tableau là avec vos bonnes réponses. Il reste un jeu sur les quatre que vous n'avez pas trouvé. Oh, en plus, c'est presque le jeu qui me tient le plus à cœur. Il est où? Ah oui! Ah oui! Oh là 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 là! Je vous le ferai peut-être à l'antenne un jour. Probabilité faible, mais je vous le ferai peut-être à l'antenne un jour. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Il a un deuxième opus, j'en dirai pas plus. Bon, c'est pas ça qui va vous aider, il y a tellement de jeux qui ont un second opus. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai fini d'ailleurs. Je peux me vanter de l'avoir bouclé le jeu là. Donc je disais, c'est bien, j'entends plus le petit ou pleurer, donc il a été pris en charge. Du moins, je l'espère. Oui, mon programme. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Mon programme, donc, on se retrouve sur mon antenne demain à partir de 9h, peut-être 10h, car élection législative, j'irai voter d'abord avant d'émettre en matinée. On se fera la suite de Final Fantasy XIII. Ensuite, j'observerai une pause, puisque je ferai relais à FunFan entre midi et 15h. Je crois, oui. Et à 15h, je reprendrai mon antenne jusqu'à 20h et quelques. Où je ferai l'après-midi du Gran Turismo 3, puisqu'on est en week-end pour moi, amoureux de sport automobile, les 24 heures du Mans. Et puis ça me démange. Comme j'ai pas fait de Gran Turismo le week-end dernier, là c'était plutôt Lara Croft à l'honneur. Et on s'écoutera de la musique libre d'un groupe trans Technocat. Une tuerie. Je vous promets, les amoureux de bons sons de musique électronique, franchement, demain après-midi, on va se régaler. Là, je vais être dans mon trip parce que je cumule deux centres d'intérêt. La course automobile et la musique électronique. Alors là, je vais être à fond dedans. À la sortie, en plus des 24 heures du Mans, ça va être génial. Alors, l'intro des 5 minutes est lancée, t'inquiète, je prépare fond vert. Ok, t'es un chef, Bastos. Je vais tout doucement faire un relais de chaîne chez toi. Donc, un petit coup d'œil rapide sur le tableau mystère du moment. Donc encore, bravo aux second... Bah, c'est bien. Bravo Bastos d'avoir trouvé. Bravo EJ d'avoir trouvé. Et bravo Christella d'avoir trouvé. Vous avez respectivement trouvé Aiden and Dangerous, Jax 3D Hunters Gecko et Destruction Derby, premier du nom. Aiden and Dangerous, je précise que c'est également le premier du nom. Je crois que je l'avais fini le Aiden and Dangerous premier du nom. Je crois que je l'avais fait. Je vais avoir la chance d'avoir la version boîte. Ça m'avait laissé une bonne impression au jeu, j'avais bien aimé. C'était une bonne surprise. Destruction Derby, le 1 comme le 2, je les ai finis plusieurs fois. Tellement que j'ai adoré le jeu de Stock Car. C'est un excellent défouloir. Par contre, le Jax 3D Hunter the Gecko, je l'ai jamais fait. Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Alors, il faut que je regarde. Est-ce que notre cher Bastos a commencé à émettre? Normalement, oui, c'est magnifique. Donc, on file chez l'ami Bastos pour le quiz Cultool. La Cultool, c'est tout ce qui reste une fois qu'on a tout bouffé. Alors, raid chez l'ami Bastos. Merci. Merci à vous d'avoir été là, c'était cool. On continue une soirée entre copains. Bastos pendant 3 heures et après, à partir de 21h, encore 3 heures, mais
en compagnie de Fun Fan, ça va être cool. Et moi, je vous cacherai pas qu'en même temps, je vais regarder sur mon deuxième écran les 24 heures du Mans en même temps. C'est double plaisir. Et merci. Allez, je vais faire en intégralité le pseudo NJPW Ryan 51000 pour ton acte de fidélité. Au plaisir de te revoir prochainement. Et voilà, j'espère que l'ensemble de mon contenu te plaira. Voilà, voilà. C'est bien, mon t-shirt passe très bien à l'antenne. J'adore. Je kiffe. Ça me va très bien, ce t-shirt. Aïe, aïe, aïe. Bah, allez, bisous tout plein. Merci, c'était génial. On se retrouve demain en matinée. Là, voilà, on continue chez les copains. Bastos en premier. Bonne soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à boire, il fait chaud. Bon appétit. Je vous souhaite le meilleur. Éclatez-vous. Bonne nuit. Faites la nouba. Tout ce que vous voulez. Allez, c'est 100% plaisir. Mangez bien aussi. Le plaisir est également dans les assiettes. Ah là là. Bisous, bisous tout plein. Merci Christella. Ciao, ciao. Allez. You, le quiz culture chez Bastos. On veut le quiz culture. Je ne désespère pas que le relais de chaîne se fasse dans quelques secondes. Eh, on est à plus de 90 secondes là. Je me trompe? Ah non, je me trompe. On en est à 60 secondes. Voilà. Et merci, chers anonymes de YouTube et compagnie. Peut-être que les plateformes en l'an 2050 auront changé. Et vous regarderez cette archive quand j'étais encore jeune. Beau et fringant. Je suis fou. Non mais c'est bien, ça veut dire que je suis d'excellente humeur quand je fais mon foufou comme ça. Allez, merci tout plein, bisous, à plus. Je coupe.